أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاؤهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جسمك مزالي بي. On vient à peine d'arriver à Atibo, Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Et tout à l'heure, nous allons commencer les hostilités, nous allons commencer les différentes sorties, les différentes conférences, Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Et tout s'est passé dans les bonnes conditions. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accompagnés sains et saufs dans cette belle ville-là. Que vous voyez le monde déjà nous accueillir, c'est très plaisir. Sur ce, on vous demande de rester connectés à la chaîne DDR, car aujourd'hui, ça va se savoir, Divo, version 2021. Alhamdulillah, Dédé, on vient d'arriver à Divo, vous voyez l'accueil, c'est très chaleureux. Donc on va suivre le protocole parce que nous avons une délégation qui nous accompagne. On va suivre le programme où ils vont nous amener. Et puis bon, puisqu'on est déjà à Divo, allons à Divo. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما Comment allez-vous? Alhamdulillah. Félicitations. Merci pour tout ce que vous faites dans le cadre de la promotion de l'islam. Je suis très fier de vous. Et vous n'êtes pas fortifié en Allah. Il ne serait-ce qu'à vous écouter, à vous entendre. C'est déjà un plaisir pour vous. Et même si on n'arrive pas à convertir, on arrive à consolider vos foi. Déjà bon. Et à dire à nos enfants, le chemin de vos parents et de vos grands-parents, de vos amis là, c'est le meilleur. Et c'est la vérité. Donc que Dieu vous donne Amen. La meilleure et qu'il vous donne le paradis. Amen. Ismaël Afrique, le champion, le gros cerf. Ouais, ça va. Ouais. Alors c'est vraiment. Ah ouais. Comme moi, même chaleur. Je suis aussi le président du comité de la Afrique. Donc, on passe une bonne chance. Inch'Allah.
يعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين فذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين Entre les jeunes là, on se comprend mieux parce qu'on nous a dit que la jeunesse de Thibaut, il y a beaucoup de jeunes musulmans, il y a également beaucoup de jeunes du Nord. Quand je parle des jeunes du Nord par rapport au comportement, il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans les maquis, dans les boîtes de nuit, tout ça. Je dis non, c'est pas normal, on ne peut pas être jeune, nos parents n'ont pas laissé cette voie-là pour nous. En fait, on va faire des maquis là, on va faire des maquis là, boîte de nuit là. En fait, on a beaucoup de mariages qui sont en train de se faire. Il paraît qu'à Thibaut, c'est pas comme ça. Nous, on n'est pas venu pour apprendre quelqu'un d'islam. On est venu apprendre l'islam à Thibaut pour nous à Abidjan. Parce que nos parents ont déjà fait le grand pas. Hein? La jeunesse musulmane, ton comportement peut chasser quelqu'un de l'islam, les gars. Donc, venez, on va communiquer, Inch'Allah. Car on donne la bonne compréhension. Bon jour à tout le monde. فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناكم وشددنا أسرهم Bonjour, mon nom c'est Reginald. Quand je regarde autour de moi, je fais le constat que tout n'est que vanité. Dans la vie, se battre pour les choses n'en vaut pas la peine. Tes plus beaux vêtements peuvent être des torchons pour quelqu'un d'autre. La balance de ton compte en banque peut représenter le don d'une personne lors d'une soirée caritative. Ta petite amie... A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous. Quand on traduit ça en arabe, ça donne Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, on nous appelle la DDR. La DDR, c'est la dawa dans la rue, comme je disais hier. Non. Étant donné que nous sommes des jeunes, nous essayons de nous promener un peu partout dans les rues, dans les villes, dans des pays même s'il le faut, non. Pour parler de ce que nous savons de l'islam. Exactement. Sachez que nous ne savons pas tout de l'islam. Non. Moi, Oussef Diallé, je suis fils d'imam. Non. Ismaël Aka, il est fils de pasteur. Deux fils de deux religions se sont réunis dans la religion de Dieu. Non. Lui qui le christianisme veut devenir musulman, non. Nous qui sommes déjà musulmans, il faut qu'on attrape l'islam avec les deux mains. C'est pourquoi, partout où nous avons fait des débats, des conférences, les autres religions ne pourront pas s'en sortir devant nous. Non. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui garantit cette vérité dans le Coran. Allah dit dans le Coran, surat 3, le verset 19, il dit, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Non. Surat 3, verset 85, surat Al-Imran. Allah dit, quiconque désire une autre religion, autre que l'islam, il ne sera point agréé, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Exactement. Allah dit dans le Coran, surat 15, non. Le verset 2, non. Au jour du jugement, ceux qui ont vécu, ils vont regretter sur sa vie d'aller devenir musulmans. Subhanallah. Étant donné non. Que nous sommes encore vivants, non. Avant de regretter, oui. Devenons musulmans. Parce que le regret n'arrange personne. Claire. Allah donne sa religion, nous venons la propager. Non. Avec nous, sans nous, l'islam va rentrer dans toutes les maisons. Claire et net. C'est Allah qui l'a dit. Claire. La surah 110. Non. Allah dit, lorsque vient le secours d'Allah, non. Ainsi que la victoire,
et que tu vois les gens entrer en foule dans la région d'Allah, alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. L'islam, religion universelle. Regardez la beauté de l'islam. Vas-y, frère. Il peut y avoir plusieurs ethnies dans le public ici. Exactement. Mais nous allons nous concerner tous de la même manière. Il peut y avoir plusieurs personnes riches, pauvres. Nous allons adorer le Seigneur Dieu de la même manière. Exactement. Et quand tu regardes l'adoration des musulmans et tu regardes l'adoration des autres religions, tu comprends automatiquement que c'est l'islam qui est vrai. Exactement. Allez dans le Coran. Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. C'est-à-dire ils voient la religion comme amusement. Donc nous, en islam, notre divinité s'appelle Allah. Que tu sois chiite, que tu sois sunnite, que tu sois Ahmadiyya, Muhammadiyya, toutes ces appellations-là, ton Dieu s'appelle Allah. On va se prosterner de la même manière. Exactement. On doit adorer l'Éternel de la même manière. Nous croyons à tous les prophètes sans exception. Le Coran nous ordonne de ne pas faire les différences entre les prophètes. Exactement. Et c'est à Allah que nous nous soumettons. C'est ça la beauté de l'islam. Vas-y, frère. Mais nous musulmans, on peut avoir des mauvais comportements. Exactement. Mais l'islam n'est pas mauvais. Il peut y avoir des mauvais musulmans. Cela ne veut pas dire que la religion musulmane est une mauvaise religion. Il peut y avoir un mauvais chrétien. Ça ne veut pas dire que tous les chrétiens sont mauvais. Donc on ne peut pas prendre le comportement d'un individu pour accuser toute une religion. Exactement. Donc quand on voit le comportement d'un individu, il faut regarder son comportement, est-ce que ça rime avec les enseignements du Coran. Sourate 5:32. Vas-y. Allah dit, quiconque tue une âme innocente, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Vas-y, frère. Et celui qui fait don à une âme, c'est comme s'il a fait don à toute l'humanité. Exactement. Donc pour dire quoi, ceux qui se proclament djihadistes, terroristes, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Clair et net. Djihad, dans le sens de tuer les gens, il n'a rien à voir avec l'islam. C'est clair. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est djihad. Vous avez laissé votre travail. Vous avez laissé beaucoup de choses pour venir écouter le message de l'islam. C'est le djihad. Beaucoup d'entre nous refusent d'aller dans les maquis, mais il a envie d'aller. L'effort qu'il fait de ne pas partir là, malgré que l'envie l'appelle, ça c'est djihad aussi. Se déplacer d'Abidjan, venir ici. Il y a des non-chers qui vont quitter ici, aller un peu partout dans le monde prêcher l'islam. C'est ça le djihad. Vas-y. Mais tuer des gens au nom d'Allah, Allah peut se défendre lui-même. Il n'a pas besoin de nous pour ça. Donc on ne peut pas tuer une âme parce qu'il refuse d'être musulman. Ou bien parce que le Coran recommande de tuer quelqu'un. Ça n'existe pas. Ça n'a rien à voir. Oui. Vous dites quoi? Nous sommes encore là aujourd'hui. Vas-y. Même ce soir et demain encore. Pour le même message. Vas-y, frère. Tant que mon frère, ma soeur, tu n'es pas musulman, tu n'es pas au paradis. Sauf si Allah te fait miséricorde. Parce que le paradis ne nous appartient pas. Appartient à Allah. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Il pardonne à qui il pardonne. Mais si toi tu le laisses lui Allah, aller adorer d'autres divinités en dehors d'Allah, et puis le paradis est fermé pour toi. Bon, pour avoir la clé du paradis, il faut reconnaître qu'il s'appelle Allah et il est unique. Il est sans associé. Dans la Bible, c'est pareil. Ésaïe 46, verset 9. Vas-y, ordinateur. L'Éternel Dieu dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. La 312 confirme. Vas-y. L'ami Ali Dwala Miola Dwala Miakoula Oufan Ahad. Il n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un et nul n'est égal à lui. Exactement. Donc conformément au texte biblique, nous prêchons avec la Bible, nous prêchons avec le Coran. Celui qui se sent dans la Bible, il sera servi. Exactement. Celui qui se sent dans le Coran également, il va être servi. Normalement. L'homme de Dieu a dit hier, il est venu montrer aujourd'hui que l'islam ne peut pas donner le salut. Et que selon l'islam, c'est le christianisme même qui donne le salut. Exactement. Et c'est Jésus-Christ qui donne le salut. Rendez-vous a été pris. Si nous, musulmans, on s'est trompé là, tous les musulmans de Divo, et avant de devenir chrétiens. Mais si parce que tu n'arrives pas à le faire, non, mais pas tous les chrétiens, toi seul. Voilà, toi seul, tu nous suffis. Parce que sauver une seule âme,
tu as sauvé toute l'humanité. Vas-y. Le Coran le dit. C'est clair. Jean chapitre 19 dit, oui. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, mm-hmm. tu le fais bien. Non. Même les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Mm-hmm. Et puis ils tremblent. C'est ça. Mais si quelqu'un vient chez moi à la maison, non. étant musulman, mm. il te dit, donne ta vie à Jésus, tu seras sauvé. Non. Mais si toi-même tu te lèves, tu le fuis. Ça veut dire que non seulement tu connais rien de ta religion, oui. et puis tu ne cherches pas à connaître également. Non. Apprenons notre religion, nous-mêmes, mm-hmm. essayons de l'enseigner aux autres également. Non. Chers frères, chers sœurs, oui. si on vous pose la question, non. qu'est-ce qui signifie l'islam? La jeunesse, vous êtes là. Quelqu'un peut vous faire dans la rue? Mon frère, ça va? Oui. Tu es musulman? Oui. L'islam signifie quoi? Et je lui dis, l'islam signifie soumission totale à la volonté de Dieu. C'est clair. Qui dit ça. Clair. Parce qu'on prêche certes, mais en même temps c'est un enseignement aussi. Vas-y. Il te demande, moi, Mahomet veut dire quoi? Ou bien qui est Mahomet? Je lui dis, Mahomet n'est pas musulman. Quoi? Mm-hmm. Mahomet n'est pas musulman. Mais le prophète de l'islam, non, non, non. Il ne s'appelle pas Mahomet, mais il s'appelle Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Il y a Muhammad et puis il y a Mahomet. C'est différent. Mahomet veut dire celui qui est sale même, celui non. qui n'est même pas digne d'être loué. Non. Celui qu'on ne doit même pas respecter. Ça veut dire, c'est un dénigrement de son nom. Une négation. Alors que Muhammad, non. ça veut dire celui qui est digne de louange. Exactement. Celui qu'on doit honorer, celui qu'on doit respecter. C'est ça. On ne l'adore pas. Oui. Mais donc il y a une différence entre Mahomet et Muhammad. Le digne de confiance. Notre divinité, il s'appelle Allah. Non. Mais il est différent de Dieu. C'est ça. Moïse est Dieu dans la Bible. Hébreux chapitre 7, verset 1. Ordinateur. Dans la Bible également, les hommes sont appelés Dieu. Non. Psaume 82, verset 1 à 6. Mm-hmm. Est-ce que vous comprenez? Ordinateur. Dans la Bible également, Satan est appelé Dieu. Ordinateur. 2 Corinthiens 4, verset 4. Mm-hmm. Mais si Allah aussi est Dieu, là, là. Même Lionel Messi, on dit le Dieu de football. Tu vois, non? Maintenant, entre ces dieux-là mm-hmm. et puis Allah, quelle est la différence? Non, lui là c'est Allah, les autres c'est Dieu. Ce sont les divinités. Mais souvent on l'appelle Dieu, 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 mais on préfère qu'on l'appelle Allah. Mm-hmm. Celui qui te dit par exemple, tu dis à un chrétien, mon frère, que la paix d'Allah soit avec toi, ou bien que Allah te bénisse. Non. Il n'est pas musulman, il ne va pas accepter. Mm-hmm. Mais quand tu lui dis, mais mon frère, que Dieu vous bénisse, il va accepter faisant allusion à son Dieu à lui-même. C'est ça. Parce que quand on te dit Allah, il sait à qui toi tu fais allusion. Exactement. Donc on va dire Allah, on va laisser un peu Dieu à côté. Voilà. Dieu veut dire sujet ou encore objet d'adoration. Mm-hmm. Si tu adores quelque chose, c'est ton Dieu. Non. Donc nous on peut dire Allah, c'est notre Dieu. Exactement. C'est quoi? Il est notre sujet d'adoration. Non. Les prophètes sont venus enseigner l'islam. Non. Nous avons pris, nous avons enseigné également, mm-hmm. eux viendront après nous pour enseigner le même islam. Non. L'islam signifie soumission totale à la volonté d'Allah. Il y a 5 piliers en islam. Mm-hmm. Le premier pilier de l'islam, non. on dit l'attestation de foi. Oui. Croire qu'il y a un seul Dieu, mm-hmm. Allah. Et Muhammad est son messager. Non. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Deuxième pilier de l'islam, c'est la salat. Mm-hmm. La salat. Et non la prière également. C'est vrai. On a l'habitude de dire, je m'avais prié. Mm-hmm. Je m'avais prié, je m'avais prié. Mm-hmm. Les musulmans font ce qu'on appelle la salat. Non. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran surat 62, mm-hmm. verset 9 à 11, il dit, lorsqu'on vous appelle à la salat du vendredi. Vas-y. Et on n'a pas dit à la prière du vendredi. Mm-hmm. La prière veut dire quoi? C'est-à-dire, on appelle ça en chez nous, Douaou. Douaou, c'est quoi? Tu es en train de prier. Donc, je fais des droits pour mes problèmes moi-même. Des invocations. Je suis assis, je fais des invocations, j'ai besoin de sang, je veux ceci, chacun a son problème. Non. Lorsque la salat finit, mm-hmm. on fait maintenant ce qu'on appelle la prière après la salat. Non. C'est comme on dit par exemple, monsieur. On vous prie de vous lever. Non. Tu vois, donc je vous prie de vous lever. Non. Nous prions la cour de se lever. Mm-hmm. Mais lorsqu'on dit la salat, ce sont des rites. Mm-hmm. On se procède ensemble, on s'incline ensemble, non. on s'oriente ensemble. Mm-hmm. La même direction pour les prières, le même lieu de pèlerinage pour les musulmans, non. le même mois de Ramadan pour les musulmans, mm-hmm. la même manière de prendre les ablutions, la même manière de lire le Coran en arabe. Non. Pour la prière, mais en dehors de ça, tu peux t'adresser à Allah dans toutes les langues. Claire. Surat 14, verset 4. Vas-y. Allez-y.
nous avons envoyé chaque messager avec la langue de son peuple. Non. Donc nous devons adorer Allah en arabe, mais après l'adoration que nous apprenons la sorte, on peut l'invoquer dans toutes les langues qu'il faut. Non. Et le troisième pilier, c'est la zakat. La zakat, le monde légal. Il faut donner une partie de ta richesse. Il faut atteindre un niveau. Les imams sont spécialisés dans ce domaine. Non. Parce que nous, on n'est pas des généralistes. C'est ça. Nous sommes des spécialistes. Exactement. Dans le domaine de l'interreligieux. Non. Si quelqu'un vient me demander de marier une femme, quels sont les critères pour faire baptême, à quel moment il faut donner le nom de l'enfant et tout, il dit, je ne connais pas. Allons-y vers les imams. Si quelqu'un va voir l'imam, est-ce que Jésus est Dieu, fils de Dieu, envoyé aux enfants d'Israël? Il peut lui dire oui. Mais s'il rentre dans un domaine avec lui, l'imam va nous m'appeler. Donc, on est complémentaires, tout ça pour faire propager le message de l'islam. Non. Voilà. Donc, Allah dit dans le Coran, au-dessus d'un connaisseur, il y a un autre. Non. Donc, s'il y a des niveaux qui nous dépassent, on fait un coup à nos imams. Mm-hmm. C'est leur devoir. Non. Donc, la zakat. Et en plus, le ramadan. Quatrième plié. Non. Le ramadan, là, c'est pas carême. Vas-y. Souvent, il entend les jeunes musulmans, je suis en carême, je suis en carême. Tu n'es pas en carême. Pas en carême. Non. Mais tu es en train de jeûner. Ce sont les chrétiens qui font carême. Non. Carême dérive de 40 jours. On dit Moïse, Jésus, on fait 40 jours dans le désert sans manger. Donc 40, carême. Mais nous, c'est 29 ou 30. Donc nous faisons 29 ou 30. Donc ça, c'est le jeûne. Et le musulman ne jeûne pas 30 jours. Le musulman ne gêne pas 30 jours. Un jour fait 24 heures. Non. Si nous devons gêner 24 heures multiplié par 30, ça fait combien de jours? Ça fait 60. Mais nous gênons une période de 30 jours. Non. C'est-à-dire de 4 heures du matin à 18h30 par exemple, ça fait une période dans les 24 heures. Non. Parce qu'après cette période-là, il y a encore le temps qui est là pour 24 heures. Exactement. Parce que de 19h jusqu'à 4h du matin, là-bas, on ne gêne pas. Non. Or, c'est de là qui fait les 24 heures. Vas-y. Donc nous ne gênons pas 30 jours, mais nous gênons une période de 30 jours. Non. C'est bon? Donc, on ne fait pas le carême, on gêne. Non. Et le cinquième pilier, c'est le pèlerinage. Mm-hmm. Dans le lieu saint, si les moyens et les conditions sont réunis. Non. Il est bon d'apprendre notre religion, mais en même temps savoir aussi des autres religions. Non. Je disais tantôt, nous lisons la Bible pour voir si nous sommes dans le faux ou dans le vrai. Non. Mais lorsque nous avons ouvert les Écritures, on a compris automatiquement que l'islam même est rempli dans la Bible même. Non. Les chrétiens ne l'appliquent pas. Okay. Donc si un chrétien ici, il n'a qu'à devenir musulman en même temps. Parce que le fait que les musulmans enlèvent les chaussures pour aller adorer l'éternel Dieu. Non. C'est biblique, c'est coranique. Cela dit verset 12. Allah dit à Moïse, enlève tes chaussures, enlève tes sandales, car dans le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Donc un lieu saint, on ne rentre pas avec les chaussures. Mais on peut rentrer avec les chaussures dans des conditions où les imams savent. Non. On peut expliquer que non, il y a des conditions où on peut prier avec les chaussures. Non. C'est contextuel. Mais, mais pour rentrer normalement, il n'y a pas de danger, il n'y a rien de tout ça. On enlève les chaussures, on s'en va adorer l'éternel. Exode chapitre 3, verset 5. L'éternel Dieu dit à Moïse, enlève tes chaussures, car tu te trouves dans un lieu saint. Les musulmans enlèvent leurs chaussures pour aller adorer l'éternel Dieu. On ne rentre pas avec les chaussures dans notre chambre. Non. On ne rentre pas également avec les chaussures dans les lieux saints. Vas-y. Mon frère chrétien, je pose souvent la question à mes frères. Vas-y. Est-ce que vous savez que vous ne devez pas rentrer avec les chaussures à l'église, mais vous pouvez rentrer avec les chaussures dans votre chambre? Mais on fait le contraire en fait. C'est ça. Vous ne rentrez pas avec chaussures dans votre chambre, mais vous rentrez avec chaussures dans le lieu qui est dédié à votre Dieu. Non. Comment se fait-il que ta chambre soit plus proche que là où tu as d'autres? Problématique. C'est pas bon. Non. Exode 3, 5, Moïse a levé ses chaussures. Exode 40, verset 30 à 31. Non. L'éternel Dieu dit à Moïse, prends les ablutions. Il a pris l'ablution, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Ablution. Non. Ablution, chaque fois dans la Bible, un rite qui est dédié aux musulmans. Non. Ce qui veut dire, la Bible même te demande qu'on ne faut prendre l'ablution. Exactement. Un rapport ou pas? Non. Lévitique 15, verset 19 à 25. Une femme qui a menstrué ne doit pas rentrer à l'église ni à la mosquée. Souvent 2, verset 222. Non. Lévitique 15, verset 19 à 25. Non. La Bible est claire. Esaïe 66, le verset 17. Vas-y. L'éternel Dieu dit, tous ceux qui vont manger porc, avec des souris là, non, ils vont avoir un enfer. Claire. Selon la Bible.
Dans le Coran, il y a 4 versets qui parlent de l'interdiction de l'abord. Mm-hmm. Également, dans la Bible, il y a 4 versets. Mais je prends un seulement. Élève 66, 17 ans. Mm-hmm. Soit 3, soit 5, verset 3. Vas-y. Même soit 16, verset 115 également. Soit 33. Verset 59. Mm-hmm. Allah dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles les grandes voiles. Elles seront vite reconnues, elles vont éviter les offenses. Claire. Le voile des femmes là, c'est tellement respectueux parce que la femme en islam, c'est un trésor. N'importe qui ne doit pas la regarder. De la même manière, tu ne peux pas regarder le soleil avec tes yeux. Non. Il paraît que nos femmes sont sous terre. Et pourquoi Allah l'a recommandé. Exactement. 1 Corinthiens 11, verset 5 à 10. Vas-y, ordinateur. La femme doit se voiler. Non. Si une femme a honte de se voiler, elle n'a qu'à se raser la tête. Exactement. S'il est honteux pour une femme d'être rasée ou d'avoir les cheveux coupés, elle n'a qu'à se voiler. Claire. La femme doit se voiler à cause des anges. 1 Corinthiens 11, verset 5 à 10. La Bible est là, le pasteur ne peut pas me contredire. Claire. Maintenant, prosternation dans la Bible. Néhémie chapitre 8, verset 4 à 6. Elles sont venues l'Éternel et tous ceux qui étaient derrière lui, ils se sont inclinés, ils se sont prosternés pour adorer l'Éternel. Ils n'ont pas chanté, ils n'ont pas dansé. Exactement. Ils n'ont pas de guitare, ils n'ont pas de tam-tam. Ils se sont prosternés pour adorer l'Éternel. Exactement. Jésus dans Matthieu 26, 39, il s'est prosterné pour adorer l'Éternel. Oui. Maintenant, pourquoi eux se sont prosternés? Nous, on refuse de se prosterner. Est-ce que nous, on est mieux que les prophètes? Non. Les prophètes sont les représentants de l'Éternel Dieu entre nous et l'Éternel. Exactement. Quand tu vois un prophète, tu vois Dieu. Non. Mais pas au sens de le percevoir. Oui. Exode 33, 20. Oui. Moïse voit Dieu, il dit, tu ne peux pas me voir. Non. Donc personne ne peut voir Dieu et vivre. Exactement. Donc, l'islam, religion du salut universel, est à Dieu aujourd'hui. Pour vous dire, devenez musulman. Mon frère, toi qui écoutes ça et que tu es déjà musulman, il faut revoir ton comportement. Non. Je le disais hier, un musulman gauche est mieux qu'un mécréant. Parce que lui, il a au moins l'entente de la crainte d'Allah dans son cœur. Exactement. Il s'est procédé au moins une fois ou deux fois dans sa vie devant l'Éternel. C'est ça, il connaît l'Éternel Dieu Allah. Mais seulement il refuse de l'adorer parce que voilà, il a ses problèmes et tout. Non. La prière est loin du turpitude et du blâme. On dit à 5 questions qu'un homme doit se poser. Vas-y, ordinateur. Qui suis-je? Non. D'où suis-je venu? Mm-hmm. Qu'est-ce que je fais ici? Non. Où est-ce que j'irai? Mm-hmm. Et puis qu'est-ce qui m'attend là-bas? Posons-nous la question. On a l'habitude de dire, mon Robert, tu es un bébé, il m'a l'olé bas. Non. Où est-ce que tu es un cabrou? Terrain de Bebou, il m'a l'oba. Mais il y a terrain de l'autre côté pour que climatiser avec Capon. Vantater avec Capon. Dominer avec Capon. C'est ici bas. C'est la terre ici. Il va quand il y a le fort. De son kata au soro il y a eu. Ni kamike, il va le soro. Exactement. Ni kamike, il va le soro. Donc, ils vont dans le chantier dans là. Je le disais hier encore. Vas-y. Moi, de Djouya. Moi, de Djouya. Moi, de Djouya. À Djouya. Mais faut pas regarder ce comportement. Qui a la tête à manger, c'est pourquoi dans le Coran, quand on dit le voleur et la voleuse, on doit leur couper la main à tous deux. Moi, je suis allé à la brosse, mais on ne coupe pas sa main parce qu'il faut couper sa main. Il y a une enquête qui est établie. Est-ce qu'il est normal dans la tête? Est-ce qu'il n'est pas obligé de voler sinon il va mourir de faim? Est-ce qu'il n'y a pas des brigands derrière lui? Est-ce qu'il ne voit pas quelqu'un, etc., etc.? On établit tout ça. Si on voit qu'il a vraiment des problèmes, mais on ne lui fait pas tout ça. On ne peut pas le couper la main. Mais la main de quelqu'un est coupée que lorsque on sait qu'il a tous les moyens qu'il faut et puis ça va voler également. Donc l'islam, religion ordonnée. Vas-y. Vous n'êtes pas le plus loin? On dit nul ne connaît la valeur de la vie. Si ce n'est le mort, nul ne connaît la valeur de la jeunesse, si ce n'est le vieux. Exactement. Nul ne connaît la valeur de la santé, si ce n'est le malade. Nul ne connaît la valeur de la richesse, si ce n'est le pauvre. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum à tous. Soyez les bienvenus au rappel de la DDR à Divo. Alhamdoulilah, je suis Ismaël Aka. Et je suis dans la DDR dans le but de vous transmettre par la grâce et par la miséricorde d'Allah son message.
Et son message qui n'est rien d'autre que la croyance en tel Dieu unique, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Non. Donc dans le contexte dans lequel nous sommes, vous voyez, je suis un jeune auprès d'un homme âgé. Vous voyez, le style vestimentaire montre qu'on peut être musulman, porter son boubou ou même frapper son choco, sans rester problème. Toujours être musulman. Donc être musulman ne se résume pas dans le boubou, être musulman ne se résume pas dans son hijab seulement, mais ça se résume quoi? Dans la foi, dans le cœur sincère et dans la pensée unique de l'adoration d'un Dieu sans idolâtrie, sans pensée quelconque. Voilà ce que l'islam nous demande. Non. Donc on peut être jeune, être frais et puis être bon musulman. On peut être jeune, faire sa jeunesse et puis être un bon musulman exemplaire. Donc l'islam, ce n'est pas forcément les chapelets de 4,50 m et les boubous qui traînent. Non. L'islam, c'est toute autre chose. Mais pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Et pourquoi vous voyez deux hommes arrêtés en train de parler de la Bible et du Coran? Je vais vous éclaircir quelque chose. Quand vous allez à la mosquée, ça ne se fait pas. Les imams ne font pas ça. Nous, c'est notre domaine qu'on appelle l'interreligieux. Dans l'interreligieux, il y a ça. Ça s'appelle la religion comparée. La religion comparée, sauf que nous avons modernisé cette religion comparée, c'est-à-dire on a fait déplacer la mosquée pour venir vers les gens, puisque les gens ont peur d'aller à la mosquée. Donc on veut leur montrer le vrai fond de la mosquée, pour leur dire, il n'y a rien à la mosquée si ce n'est d'adorer un Dieu unique. On n'adore pas Satan avant. Donc voilà pourquoi la mosquée se déplace pour venir vers les gens et les expliquer encore mieux les profondeurs de l'islam. Pourquoi nous utilisons la Bible et le Coran? Parce que c'est le domaine de l'interreligieux. Il y a aussi les livres des juifs, les bouddhistes, tout le monde est invité, même les sorciers, ils peuvent venir aussi pour débattre. Si tu dis que ton fétiche dit la vérité, tu peux venir nous prouver que c'est le fétiche qu'on doit adorer. Mais nous on dit, si c'est toi-même qui as fabriqué ton fétiche, c'est que c'est faux. C'est un faux fétiche. Parce que toi tu es le créateur de ton fétiche, alors que Allah est le créateur de toi et ton fétiche. Donc Dieu veut venir te rallier chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc avant de commencer, on va commencer d'abord par un verset de la Bible et du Coran. On fait ces symbioses là pour vous amener à comprendre l'authenticité de l'islam. Et qu'est-ce que c'est que l'authenticité de l'islam? La base, comme Oussaz Ziani l'a dit, si tu as raté quelque chose, tu as tout raté. Et ça, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah. Si tu n'as pas compris le fond de l'unicité, si tu n'as pas adopté l'unicité dans son essence, tu as tout raté à la base. Voilà pourquoi nous, les juifs, les musulmans, les chrétiens, on n'en s'entend pas. Parce qu'on peut dire, tout le monde dit j'adore Dieu, mais de différentes manières. Alors l'adoration de Dieu se résume dans quelque chose de très méticuleux, de très essentiel. Adorer Dieu unique, avoir une conception unique de Dieu. Alors, nous allons faire parler les textes pour nous voir et pour nous dire quelque chose. Mon frère va positionner la sourate 3 d'abord, à partir du verset 20. Qu'est-ce qu'Allah nous a recommandé de faire? Et en fonction de ce verset-là, vous allez voir pourquoi on s'est déplacé aujourd'hui pour venir. Et pourquoi on sera là le soir et pourquoi on sera là demain. Parce que le but, c'est très important. Appeler les gens. Les gens ont beaucoup parlé de l'islam. Ils ont beaucoup dit, on m'a dit, il paraît que, ils ont dit que. Mais toi-même, tu dis quoi? Aujourd'hui, les musulmans viennent à vous pour vous demander qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous reprochez de l'islam. Sourate 3, verset 20, c'est positionné. Oui. On peut aller à la lecture. S'il te contredit. Allah, il commence par le verset. Il demande, il dit au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ceux à qui tu vas adresser ton message là, s'ils te contredisent, si ce que tu es en train de dire, dis-leur. Faut le dire. Je me suis entièrement soumis à Allah. Moi, je me suis entièrement soumis à Allah. Moi et ceux qui m'ont suivi. Moi et ceux qui m'ont suivi. Et dis à ceux à qui le livre a été donné. Quand tu entends dans le Coran, le livre, ceux à qui le livre a été donné, il s'agit des juifs et des chrétiens. Le prophète Allah dit au prophète, dis à ceux à qui le livre a été révélé, les chrétiens et les juifs, là, faut leur dire. Ainsi qu'aux illettrés. Ainsi qu'à ceux qui sont illettrés, qui ne connaissent rien des Écritures. Avez-vous embrassé l'islam? Pose-leur la question. Est-ce que vous avez embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam. En tout cas, si vous devenez musulmans, là. Ils seront bien guidés. Vous serez sauvés. Mais. S'ils tournent le dos. S'ils refusent d'accepter l'islam, tu dois les tuer. Non. Non. Ton devoir n'est que la transmission du message. Tu dois les frapper. Ton devoir n'est que la transmission du message. Tu dois serrer son cou. Ton devoir n'est que la transmission du message. Non, tu dois l'insulter. Ton devoir n'est que la transmission du message. Allah dit, ton devoir n'est que la transmission du message. Nous, on vient transmettre. Si ça t'a plu, tu payes. Si ça t'a pas plu, tu laisses. Mais le jour où la mort va venir frapper à ta porte, je suis là. C'est ce jour-là, tu vas dire, donc c'est Didi. Il n'y a pas Guassou, il n'y a pas Retour.
Quand tu t'en vas, c'est pour la vie éternelle. Soit la mort éternelle, ou même la vie éternelle. Comme je l'ai dit à Abidjan, soit c'est pour te chicoter éternellement, ou bien c'est pour te donner les vrais mousseaux éternellement. Ou bien votre matin. Voilà. Donc pour dire, voilà le message qui nous amène ici. Sera toi toujours. Reste au verset 64 encore. Dis-nous qu'est-ce que Allah nous a dit dans le verset 64 de la Surat Al-Imran. Vas-y mon frère. Dis aux gens du livre. Parlez toujours aux gens du livre, c'est-à-dire aux juifs, les chrétiens. Venez à une parole commune entre nous et vous. Tous les chrétiens de Divo, venez à une parole commune entre vous et nous. Que nous n'adorions qu'Allah. Voilà tout ce qu'on vous demande. Venez, on va adorer Allah. Sans rien lui associer. Sans rien lui associer. Et que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Pourquoi on va dire que parmi nous, il y a Dieu dedans. Un homme peut être Dieu. Allez, dit, ne nous prenons pas les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Vas-y. Puis s'il tourne le dos. S'il refuse d'accepter ça aussi là. Dites. Faut le dire. Soyez témoins. Soyez témoins. Que nous là. Nous sommes soumis. Nous sommes soumis à Allah. On force personne. Mais une chose est sûre, la vérité s'installe d'elle-même. Quand tu es en face de la DDR, tu peux parler derrière. Tu peux penser derrière. Non, si je suis là, ils vont. Mais quand tu es en face de la DDR, le troisième qui est au milieu de nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas t'incliner face à la raison et tu vas accepter l'évidence. Pas de ta bouche, mais ton cœur va témoigner que tu es où tu es arrêté là. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est la vérité. Et personne ne peut contredire la DDR sur base des versets coraniques et bibliques. Beaucoup disent que l'islam est faux. Oui. Mais aucun homme sur la terre ici ne peut prouver que l'islam est faux en face d'un musulman doué d'intelligence et de sagesse. Tu peux parler seul dans ta maison. Tu peux faire une vidéo pour dire que le Coran est faux. Il y a contradiction dans le Coran. Mais en face d'un musulman, tu ne peux pas. Pourquoi ? Pas parce qu'il est trop éloquent, mais parce que les paroles d'Allah et les versets d'Allah sont très éloquents. Allah a mis au défi tout le monde. Il dit, si vous pouvez produire un autre Coran aussi pareil, faites-le. Mais vous ne pouvez pas le faire qu'à l'aide d'un pouvoir minutieux, incalculable. Allah il pose la question, vous refusez de m'adorer. Ok, il n'y a pas de souci. Mais Allah il dit dans le Coran, c'est moi qui ai créé les cieux et la terre. Donc quand tu refuses d'adorer Allah, tu fais quoi sur sa terre et tu fais quoi sous son ciel? Oui. Prends-moi maintenant dans la Bible pour comprendre maintenant l'essence de ce que nous sommes venus faire, de ce qu'Allah il a dit dans le Coran, l'essence de la croyance. Si tu as raté ça, tu es KO, tu es mort. Parce que c'était déjà prévenu depuis longtemps. Deutéronome 6. Tu vas prendre Deutéronome 4 plutôt, à partir du verset 13 et suite. Rapidement, vous allez voir quelque chose. Tu prends à partir du verset 14, si c'est trop. On commence à préparer les questions. En ce temps-là. Voilà. Écoutez bien ce que Dieu va révéler à Moïse. Je dis, ce qu'on va lire dans la Bible, si tu n'as pas compris ça, on ne peut rien faire pour toi encore. Si tu n'as pas accepté ça, là, on ne peut rien faire pour toi. Dieu dit à Moïse, en ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances. Moïse a réuni tout le monde, il dit, les frères, Dieu m'a dit de vous enseigner ses lois et ses commandements. Vas-y. Afin que vous les mettiez en pratique. Les commandements de Dieu qu'il m'a dit là, vous devez les mettre en pratique. Je vais vous expliquer c'est quoi. Allons-y. Dans le pays dont vous allez prendre possession. Vas-y mon frère. Puis vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla au milieu du feu. Savez-vous que pour les bons lecteurs de la Bible, Dieu s'est révélé aux enfants d'Israël dans le feu à Horeb. Veillez attentivement sur vos âmes. Attends d'abord. Molo. Dieu s'est révélé aux enfants d'Israël à Horeb, au travers d'un feu. Et pour les enfants d'Israël, ils ont voulu voir que celui qui a parlé au travers du feu, là, ils ont voulu l'imaginer, le matérialiser. Donc Dieu maintenant va révéler ça à Moïse. Parce que comme Dieu connaît dans les cœurs, il sonde les cœurs et les reins et les pensées, il connaît. Il dit à Moïse, il faut leur dire, quand je me suis manifesté dans le feu à Horeb, là, ils n'ont pas vu de visage. Vas-y. Veillez attentivement sur vos âmes. Maintenant Dieu dit maintenant pardon. Faut les dire, non qu'à veiller à leurs âmes. Faut pas, attention, chacun a qu'à veiller à son âme. Continue la lecture. De peur que vous ne vous corrompiez. Faut pas vous allez vous corrompre. Et que vous ne fassiez une image taillée. Attention. Dieu dit, faut pas que, parce que je me suis révélé à vous dans le feu, vous allez chercher à faire une image taillée de Dieu. Vous m'avez pas vu, pardonnez, ne me dessinez pas. Continue. Une représentation de quelques idoles. Il dit ne faites pas une représentation de quelques idoles. Vas-y. La figure d'un homme ou d'une femme. Dieu dit il ne ressemble pas à un homme ou bien à une femme. Mais c'est normal. Imaginez oui. Dieu qui est garçon. Et puis les plans.
Tu vois comment c'est... Il y a une ethnie, tout ça. Tu vois comment c'est bizarre. C'est pas possible. Dieu est venu sous forme humaine sur la terre, selon certains. Et puis il a porté, il a eu la couleur blanche. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Comment Dieu peut être blanc? Donc s'il est blanc, c'est que nous les noirs, on est foutus, quoi. On va aller chercher notre Dieu. Si Dieu est blanc, c'est que nous les noirs, allons chercher notre Dieu. Si Dieu, il a une nationalité, c'est que c'est un Dieu xénophobe. Pourquoi quand il vient sur la terre là, beaucoup d'ethnies, pourquoi il n'est pas ni? Moi je veux qu'il soit ni. C'est pas faux. Ou peut-être lui, il n'a qu'à être du là-bas. Donc si tu as God, Moïse, Dieu a dit à Moïse, pardon, faut leur dire qu'il ne faut pas, ils vont me dessiner. Un, faut pas, ils vont faire des statues. Deux, faut pas, ils vont penser que je suis un homme ou que je suis une femme. Ça sera corrompre leur âme, eux-mêmes leur propre âme. Donc la corruption de l'âme se résume dans quoi? Dans vouloir manifester Dieu de manière matérielle et physique. Si toi, ton petit cerveau là, arrive à cerner Dieu jusqu'à le matérialiser, le dessiner et le montrer aux yeux des gens, c'est que c'est plus la peine. Donc il a demandé à Moïse, pardon, il faut leur dire, répète le verset mon frère. De représentation de quelques idoles. De représentation de quelques idoles. La figure d'un homme ou d'une femme. La figure d'un homme ou d'une femme. Vas-y. La figure d'un animal. La figure d'un animal. Soit sur la terre. Qui soit sur la terre. La figure d'un oiseau qui vole dans les cieux. Il dit je ne suis pas un oiseau. Il ne ressemble pas à oiseau. Il ne ressemble pas à l'homme. Vas-y frère. La figure d'une bête qui rampe sur le sol. Vas-y mon frère. La figure d'un poisson qui vit dans les eaux. Dieu est en train de prendre toutes ces créatures là pour dire qu'il ne ressemble à rien de tout ce qu'on peut lui associer. Voilà. Ici tout pour que vous sachiez que jamais vous allez le circonscrire parmi l'un de ce qu'il a cité. Rien de ce qu'il a cité ne lui ressemble. Il a créé le temps et il n'est pas dans le temps. Oui. Il est quoi? Il est l'intemporo-spatial. Merci ordinateur. Il est l'intemporo-spatial. C'est-à-dire lui, il crée le temps, mais il n'est pas dans le temps. Il manipule le temps sans pour autant être dans le temps. Parce que le temps qui est le temps n'est pas le temps qui est le temps. Allons-y comprendre quelque chose. Allons-y comprendre quelque chose. Donc déjà, le but de la DDR ce soir, c'est de vous amener à adorer un Dieu unique qui est dépourvu de tout ce qu'on a cité. Un, c'est pas un homme. Deux, c'est pas une femme. Trois, c'est pas un animal. Il ressemble à rien de ce qu'on peut penser. Alors, ça prouve que l'islam adore le vrai Dieu. Parce que Allah, qui est le Dieu des musulmans, créateur des cieux de la terre, là, on ne peut pas le dessiner. On ne l'a jamais vu. Oui. On se prosterne devant lui. On ne l'a jamais vu, mais on le sent. On le perçoit au travers de nous. Comment tu peux chercher à voir Dieu alors que tu sais que le vent existe? Tu n'as jamais vu le vent. Même les anges. Tu n'as jamais vu un ange. Tu n'as pas encore vu Satan, c'est Dieu que tu veux voir sur la terre. Tu ne donnes pas d'enfant à Satan, tu donnes d'enfant à Dieu. C'est-à-dire, toi, tu dis Dieu est venu sur la terre sous forme humaine et il a été frappé et tué par Satan. Et on peut perdre ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Sur ce, comme il y a des gens, on a nos invités rapidement qui sont déjà là. On va gagner du temps, on n'a pas assez de temps. Donc, on va donner la latitude à toute personne de venir poser des questions. Et asseyez-vous et observez. La vérité va s'installer d'elle-même. Alors, le but, c'est de venir vous appeler à adorer un Dieu unique, dépourvu de toute idée idolâtre et politique. Dieu ne ressemble à rien. Voici le message que nous vous transmettons ce soir, et ce matin plutôt. Alors, face aux questions, réponses, s'il y en a, et puis on va aller encore en profondeur des enseignements. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ok, merci à tout le monde d'être venu. La DDR est reconnaissante envers Allah. La DDR dit merci à l'ONG Omia. Et la DDR sera ce soir à l'espace du quartier Dukaku, espace PFO. Allez, quartier Dukaku, à partir de 20h. Alors, demain, ça sera l'apothéose à partir de 16h au stade municipal. Et sans plus tarder, comme on n'est plus par le temps, on va déjà prendre le prêt d'hier qui va poursuivre dans sa lancée. Je vous salue, mes frères, je vous salue dans le nom de Jésus. Parce que moi je crois en Jésus. Je suis chrétien. Si je suis là ce matin, c'est parce que l'événement d'hier
Parmi vos interventions d'hier se sont terminées brusquement. Je n'ai pas pu poser certaines questions. Ce matin, vous n'êtes pas revenu dessus, mais je voudrais, par rapport à ce que vous avez dit hier, vous avez dit comme ça dans vos interventions et dans la plupart de vos vidéos que vous publiez sur les réseaux sociaux, que quiconque, Jésus dit que celui qui prophétise en son nom, celui qui guérit les malades en son nom, ceux-là, il va leur dire qu'il ne les connaît pas. Moi, je dis que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. Ce n'est pas vrai et ce n'est pas ce que la Bible a dit. Ce passage-là, c'est écrit. Je ne sais pas si... On peut lire le passage. Oui, vous pouvez lire. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 26. C'est matin. Donc la mémoire encore frère, c'est matin. Matthieu chapitre 7, verset 21. On va lire et puis ordinateur va poursuivre. Listen là. Ceux qui me disent, bon. Seigneur. Allons doucement. Vous allez voir ma logique, vous allez voir dans le contexte dans lequel je le dis, en fonction du verset. Ceux qui me disent Seigneur, soyons d'accord qu'aucun musulman ne dit à Jésus-Christ Seigneur, Seigneur. Voilà, on est d'accord. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Allons-y. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est pas eux tous qui vont rentrer au paradis, mais certains vont rentrer. Maintenant, ceux qui vont rentrer, la suite va le dire. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est celui-là seul qui va faire la volonté de mon Père. En d'autres termes, c'est celui-là seul qui va faire la volonté de Dieu qui est dans les cieux. Chose bizarre. Les musulmans font la volonté de Dieu qui est dans les cieux. Les chrétiens font la volonté de Jésus lui-même parce qu'ils le prennent pour Dieu. Or, il a précisé, c'est celui qui verra la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Or, les musulmans n'adorent pas Jésus. Faire la volonté de Dieu, c'est ça qu'on appelle l'islam. En d'autres termes, il va dire, sans celui qui est musulman. C'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Continue. Plusieurs me diront en ce jour-là. En ce jour-là, c'est le jour du jugement dernier. L'éternel Dieu est là. Les musulmans sont là. Les chrétiens sont là. L'humanité tout entière est là. En ce jour-là, plusieurs me diront. Seigneur, Seigneur. Oui. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Est-ce qu'un musulman prophétise au nom de Jésus? Non. C'est qui? C'est les chrétiens. Continue. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Hier, je le disais. Bagorami le bon prix, il n'y a plus qu'à son gâteau. Ça dit, Cabri là, il regarde le propriétaire de la maison, il a son visage, lui là, c'est un buveur de noir. Non, il n'aime pas. Ou lui là, c'est un gamin, il n'aime pas. Ça dit quoi? Satan n'aime pas la mosquée. Pourquoi on va le chasser? Mais nous voyons que c'est vous qui chassez Satan tous les dimanches. Donc ceux qui vont chasser des démons à mon nom. Continue. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Attends, prophétie par là, miracle par ci. Musulman ne le fait pas. Notre miracle, c'est le Coran. Je dis seulement, Aouzibillah, Mina Shaitan, Irrajim, Bismillah, Irrahman, Irrahim. C'est K.O. Satan est parti jusqu'à Abidjan. Il a pas d'Abidjan. Tu vois un peu? Encore une fois, c'est pas les musulmans qui le font. Continue. Alors, je le dirai ouvertement. Et il n'a pas dit, je vous dirai. Je leur dirai, ceux qui font ça là, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez, retirez-vous de moi. Oui, vous qui commettez l'iniquité. Continue. C'est pourquoi. Quiconque attend ces paroles, celui qui va entendre les paroles que Jésus a dit, et ne les met pas en pratique, et puis tu refuses de croire que c'est pas vrai là, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Oui.
La pluie est tombée. La pluie est tombée. Sur les torrents. Oui. Ils sont venus. Oui. Les vents ont soufflé. Oui. Eux se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Elle n'est point tombée. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Elle était bâtie sur le roc. Parce que la parole de Jésus a été claire. Et nous respectons ça. Ce n'est pas nous qui le disons chez Seigneur, Seigneur. La suite va terminer et puis vous allez prendre la parole. Mais quiconque entend cette parole que je dis. Vous avez entendu cette parole. Et ne les met pas en partie. Et puis vous refusez de croire à ça. Vous voulez l'interpréter. C'était d'une autre manière, Jésus dit, c'est ressemblable à un homme insensé, oui, qui a bâti sa maison sur le sable. Normalement, la fondation de la maison est faite sur le sable. Il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de verre, il n'y a pas de gravier. Vas-y. La pluie est tombée. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Oui. Les vents ont soufflé, hein, et ont bâti cette maison. Oui. Elle est tombée. Elle est tombée et sa ruine a été très grande. Voici ce que j'ai dit. J'ai dit que ça ne concerne pas les musulmans, ça concerne que les chrétiens. À vous la parole de me dire ce que j'ai dit est faux ou vrai. D'accord, ce que vous avez lu, effectivement, est écrit dans la Bible. Mais... Allons-y. Nous allons lire dans la Bible encore... Le même verset. Non, pas le même verset. Voilà, c'est moi je parle. Nous allons lire dans la Bible les disciples de Jésus qui nous ont transmis ça. Quel est leur comportement? On ne doit pas prophétiser au nom de Jésus. On ne doit pas guérir malade au nom de Jésus. On ne doit pas chasser des démons au nom de Jésus. Je voudrais que le jeune frère qui s'est bien lié prenne acte chapitre 3. On va lire même le verset à partir du verset 1er. Et on va voir qu'est-ce que Pierre a fait. Acte chapitre 3. Verset 1er. À partir du verset 1er, on va. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Il y avait un homme boiteux de naissance devant le temple. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. Justement. Appelé la belle. Appelé la belle, la belle du temple. Pour qu'il demanda le monde. Là, ça se passe le même jour devant la mosquée. Il y aura des gens qui sont assis devant la mosquée qui demandent le monde. Dans cette histoire, ça ressemble un peu à ça. Quelqu'un assis devant le temple, il était boiteux et il demandait le monde. À ceux qui entraient dans le temple. À ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer. Qui allaient entrer dans le temple. Leur demanda le monde. Pierre, même que Jean, Pierre était l'apôtre de Jésus. Il faisait partie des 12 apôtres. Donc quand Jésus disait, ceux qui prophétisent à mon nom, ceux qui chassent les démons à mon nom, ceux qui guérissent à mon nom, ils vont aller en affaire. Pierre était assis là, il a entendu. Mais qu'est-ce que Pierre va dire à ce bateau? Fixa les yeux sur lui. Et Pierre fixa les yeux sur l'homme, il était malade. Regarde-moi. Et il les regardait attentivement. Le boiteux regarda Pierre, disciple de Jésus. S'attendant à recevoir. Il s'attendait à lui donner que Pierre fut bien habillé pour dire le temps. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent. Je n'ai ni argent. Ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Du sang du Saint-Esprit à moi. Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et marche. Et le prenant par la main droite. Et le prenant par la main gauche, droite. Dans la main droite. Il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Je continue? Non, arrête-toi. C'est Pierre qui venait de guérir quelqu'un au nom de Jésus. C'est Pierre qui était assis là. Quand Jésus disait, celui qui guérit quelqu'un à mon nom, je vais lui dire que je ne le connais pas. C'est Pierre qui venait de faire ça. Pierre était là quand Jésus parlait. Selon le passage que les frères viennent de lire. C'est pour dire que les frères lisent, ce sont des intellectuels. Ils comprennent la Bible comme des intellectuels. Je vais encore prendre un autre passage. Attends, je vais donner un, j'ai donné un. Attends, je vais. Non, je vais donner un dernier passage. Allons-y. Il y en a beaucoup dans la Bible. Je vais expliquer. Je vais avoir. Si vous écoutez, vous allez comprendre. Vous êtes là, on a... Non, ne vous écoutez pas, je vous en prie. Vous avez parlé pendant longtemps
c'est notre roi, mon frère. C'est la Bible que vous avez entendue. Écoute simplement. On veut que tu écoutes simplement. Tu vas parler. Tu vas parler. Faut écouter d'abord. Allez-y. Ne nous imposez pas quelque chose. C'est à nous de vous imposer parce que vous êtes dans notre forum. Allons-y. Voilà. Allons-y. Non, je vous laisse parler. Ce que je voulais dire simplement, c'est mon verset que j'ai lu là, ça ne parle pas de Pierre. Vous avez pris un contexte où Pierre a guéri malade au nom de Jésus. Je n'ai pas dit que c'est faux. Le Matthieu 7 parle de qui? Des chrétiens ou des musulmans? On n'a pas dit Pierre dedans. Il n'a pas dit Pierre n'a pas guéri. Non, Pierre a pas guéri au nom de Jésus. Il n'y a pas de problème en cela. Nous avons lu le verset maintenant. Répondez à Matthieu 7. Voilà. Je vais vous contredire ce que j'ai dit devant le monde. Nous allons lire Actes chapitre 16, je crois, au verset 15, où l'apôtre Paul chasse un démon au nom de Jésus. Ça aussi, l'apôtre Paul n'a jamais été disciple de Jésus. Acte 16, à partir du verset 15, je crois. Je ne mettrai pas bien la référence. Mais c'est pas grave, vous avez fait la citation, c'est pas grave. Mmh. Allons-y. On sait que Paul. Nous-mêmes, on sait que Paul. Toi, tu sais, mais je ne sais pas. C'est de Paul que je parle. Mais vous avez. Non, ne me coupez pas, s'il vous plaît, on fait. On vous a pas coupé. On dit, oui, c'est vrai ce que vous dites. Voilà. Donc, il faut leur raconter comment Paul, quelqu'un qui s'est converti longtemps après le départ de Jésus. Jésus n'était plus sur terre. Il a chassé le démon. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit. En fait, le frère n'a pas compris, ou bien vous avez compris, mais vous ne voulez pas répondre à la question. Ce que Jésus va chasser là, qu'il faut dire en son nom là, il s'agit de qui? Je viens de te répondre. Attends, vous pouvez répondre directement, il ne peut pas savoir votre question. Hein? Non. Tout ce que vous dites là, même Pierre a reçu son fort. Est-ce que vous savez ça? C'est pas de vrai. Verset 16, acte 16, verset 16. Comment c'est verset 16 en fait? Verset 16. Oui. Comme nous allions au lieu de la prière. Comme nous allions au lieu de la prière. Une servante qui avait un esprit de python. Une servante qui avait un esprit de python. Et voilà, c'est votre gouverneur dit esprit de python, c'est un démon. Et quand on me dit que l'esprit de python, c'est autre chose, c'est un démon qui habite en l'homme. Et qui en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Viens au devant de nous. Voici des chrétiens. Elle se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. C'était bizarre, c'était pas fait, hein? Et ils vous annoncent la voie du salut. Ça, c'est un démon qui parle. Elle le suivait pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit. Oh, mais comment quelqu'un qui dit ces gens-là sont les serviteurs du Dieu très haut? Non, non, il n'y a rien de suspect. Mais Paul a eu la révélation pour dire que ce qui parle à la fille, là, ça ne vient pas de Dieu. Donc Paul. Oui? Allons-y. Oui? Elle fit pendant plusieurs jours. Oui. Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit. Et Paul dit à l'esprit. Je t'ordonne au nom de Jésus. De sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Voilà deux exemples. Il y en a plusieurs dans la Bible où des gens ont chassé des démons. Ils ont tenu. Mais pourquoi ils ont fait ça? Nous, on peut parler maintenant. Non, je vais t'attaquer, ça que je vais répondre d'abord. Pourquoi ils ont fait ça là? Je vais te répondre. Vous voyez que c'est ça. Quand on veut vous interrompre, vous allez dire non, vous m'interrompez. Comme si vous avez quelque chose à dire qu'on veut cacher. On dit, on a donné Matthieu 7. Normalement, vous devez répondre à Matthieu 7. Ça parle de qui? Enfin, comme elle parle de Matthieu 7, faut lire Matthieu 7 à partir du verset 15. Voilà, bah après du verset 15, vous savez qu'on arrive à leur passage. Ok, voilà.
Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous. Ils viennent à vous. En vêtements de brebis. En vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des lourdes. Au-dedans, ce sont des lourdes. Vous-même, vous savez, nous sommes tous en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux. Rien n'est caché. Vous savez qu'en toutes choses, il y a faux. Vous les connaissez. Attendez, mon frère, attendez. En toutes choses, il y a faux. Tout à l'heure, tu as dit, il y a des faux musulmans. Voilà. Il y a des faux musulmans, il y a des faux docteurs, il y a des faux gendarmes, il y a des faux pasteurs, il y a des faux pasteurs. Non, non, je ne suis pas de qui. Non, justement, juste quand je viens, je vais terminer par pasteur. Il y a des faux pasteurs. Donc je ne suis pas de faux pasteurs alors. Allons-y, mon frère, je ne vais pas répondre, la Bible même va répondre. Vous les connaissez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, les pasteurs Mahmayer. Ah. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Allons-y. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Cueille-t-on des raisins sur des épines? Ou des figues sur des chardons? Ou ouais, pas qu'ils mangent des mangues sur avocatier? Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Et un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé. Les églises qui escroquent les champs, qui couchent avec les femmes des autres, qui font de la marmaille dans les églises. Dans les églises. C'est bien là, partout il y a des faits, tout à l'heure tu l'as dit. On est dans la Bible d'abord, allons-y, on est dans la Bible. Dans le Coran. Ouais. On fait ça dans le Coran. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'interromps pas tous les messieurs. Merci beaucoup, homme frère. Voici le contexte dans lequel Jésus a dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Parce que ceux-là, ces pasteurs, ceux qui se disent hommes de Dieu, prophètes, oui, ils vont prophétiser le nom de Jésus. Ils vont avoir le nom de Jésus dans leur bouche. Mais leur comportement est loin de la doctrine que je vais prêcher. Question. Justement. Parce que leur comportement est de la doctrine que Jésus a prêché, c'est à ceux-là qui dit non. Ceux-là, quand ils vont venir à moi, je vais dire, je ne vous ai jamais remercié. Dieu merci. Non, doucement. Mais pourquoi vous voulez sauter les étapes? Allons-y, étape par étape. Vous, êtes là, hein? Vous avez pris Matthieu 7, non? Verset 15, vous avez expliqué. Vous dites, il s'agit de faux prophètes, de faux pasteurs. J'ai levé ma main, il dit question. Est-ce qu'il s'agit des musulmans? Vous parlez de voilà. Il ne s'agit pas de musulmans. Voilà. Très bien. Et tout ce que nous voulons savoir. Maintenant, regarde-moi dedans. Attendez. Donc, regardez ici. On se comprend. Très bien. Il ne s'agit pas de musulmans, non. Ouais. Il s'agit pas de musulmans. Ouais. Il s'agit des chrétiens qui sont faux. Oui. Il s'agit des chrétiens qui sont faux. On n'a pas dit les chrétiens qui sont vrais. Ah, ceux qui sont faux. Ouais, ceux qui sont vrais vont aller au paradis. Très bien. Maintenant, regarde où ça va chauffer. Ceux qui sont vrais, là, qui font les miracles au nom de Jésus, là. Relis Matthieu 27, 21. On va voir si vous êtes vrai ou bien si vous êtes faux. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. Jésus dit, regarde, voilà comment on va reconnaître le vrai du faux. Voilà. Donc vous-même, vous risquez de rentrer dans le lot des faux. Attention. Attention. Hein. Je vous avertis d'avance. Je vous avertis d'avance parce que vous risquez de rentrer dans le lot des faux. Parce qu'il y a des questions qui vont venir. Lis, mon frère. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. Là maintenant, Jésus dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il va prier, il dit, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que les faux là vont pas rentrer. Les faux vont pas rentrer, non. Maintenant, quels sont ceux qui vont rentrer? On va voir si vous faites partie des faux ou des vrais. Mais celui-là seul, oui, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tonton, question. On est arrivé. On est arrivé. Vous faites la volonté de Jésus, mais vous faites la volonté de Dieu qui est dans les cieux. Jésus. Question. Réponse. Réponse. Je vais tout à l'heure, j'ai voulu prendre Marc. Marc chapitre 16, il y a 16 ans. Marc chapitre 16, s'il vous plaît. À partir du verset 15. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Soyez tranquille, les frères, attaque-moi.
Soyez sereins. Allah est là. La vérité va se savoir. Soyez sereins. Est-ce qu'il peut poser la question? Chapitre 16, 15. Ok, 16. 15 à 16. Non, ne dites pas ça. Il n'y a pas ça ici. On est en famille. Ils sont juste contents, c'est tout. Je ne suis pas un pasteur. Vous me connaissez. Pour la plupart de ceux qui sont assis là, je sais que vous en avez déjà vu quelque part. Exactement. Vous savez ce que je fais. Voilà. Ils sont contents, quoi. Ils sont contents, c'est tout. Je ne suis pas pasteur. Ouais. Je n'ai jamais fait école théologique. C'est vrai. Mais je suis chrétien. C'est vrai. Ils sont chrétiens. Nous, on respecte votre position et votre choix. Voilà, on est d'accord avec vous. Je peux me tromper. C'est possible aussi, on peut se tromper. Voilà, voilà, on peut se tromper aussi. Comme nous sommes Marc 16, Marc 16, verset 15. Verset 15. Puis il l'a dit, allez partout dans le monde. Allez partout dans le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Prêchez cette bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, Jésus, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. Ils boivent, s'ils boivent quelques breuvages mortels, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Voici Jésus même t'a donné la recommandation. Il dit, allez partout le monde. Prêchez ce que moi je vous ai prêché là. Prêchez ça à tout le monde entier. Allez-y, parcourez tous les pays du monde. Attends, je viens là. Je vais répéter Là, ta question là, je suis en train de répondre à ça. À moins que, par mauvaise foi, tu crois. Non. Voilà. Donc, Jésus a donné instruction. Il peut à mon nom chasser les démons. J'ai dit, on ne sait pas ce qu'il a demandé. Oui. J'ai dit, relis-moi Matthieu 21. On va lire, non, papa. Et puis vous allez comprendre de quoi je parle. Ma question est précise et conscrite. Allons-y. Matthieu 7, 22. On va écouter bien et puis on va bien écouter ma question. Vas-y. Plusieurs me diront en ce jour-là. Oui. Seigneur, Seigneur. Non, 21. Ceux qui me disent, oui. Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. On est d'accord. Mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tonton, est-ce que vous faites la volonté du Père de Jésus qui est dans les cieux, ou bien vous faites la volonté de Jésus? Nous faisons la volonté du Père de Jésus qui est dans les cieux. Et nous faisons la volonté de Jésus. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Mais Jésus a dit, je vous envoie chasser les démons à ma main. J'ai dit dans Matthieu 7 là-bas. Et mais dans ma question, j'ai envie de chasser les démons à ma main. Non. Donc il a dit, quand il te dit va faire quelque chose et que tu le fais, tu fais ce que ton maître t'a recommandé de faire. Donc vous faites la volonté, vous faites la volonté du Père de Jésus qui est dans les cieux aussi. Je dis, homme frère. Répétez la réponse, vous faites la volonté du Père de Jésus qui est dans les cieux. Oui. Vous faites la volonté du Père de Jésus qui est dans les cieux. Et de Jésus lui-même. De Jésus lui-même. Donc Jésus n'est plus Dieu. Non. Je savais que ta question, tu veux quitter sur le débat pour dans lequel on est dans le ciel. Le Père de Jésus qui est dans les cieux. Attends. Le Père de Jésus qui est dans les cieux. Jésus, qui est dans les cieux? Je demande. Qui est dans le ciel? Doucement, papa, j'ai dit. Qui est dans le ciel? Doucement. Qui est dans le ciel? Calmez-vous. Jean chapitre 3. J'ai dit. Oui. Le Père de Jésus qui est dans le ciel, là, vous faites sa volonté, non? Il faut lire Jean chapitre 3, verset 13. Il faut répondre d'abord. Le Père de Jésus qui est dans le ciel, vous faites sa volonté, non? Oui. C'est qui? Ouais. Le Père de Jésus qui est dans le ciel, c'est Jean chapitre 3, verset 13. Jean 3, 16. 13. Personne n'est monté au ciel là. Ça, vas-y. Jean 3, 13. Vas-y. On va aller. Jean 3, 13. Jean 3, chapitre 13. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Félicitations. Oh, plusieurs fois, Jésus nous a dit son Père. Qui est dans le ciel. Qui est son Père? C'est qui? C'est ce verset vient de nous dire que personne n'a monté dans le ciel. Qui est son Père?
Nous tous les fils de l'homme, comme lui, Jésus, vous savez quoi je dis. Jésus, la réalité, il a dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez mon Père. Qui est son Père? Voilà, la personne m'a été posée. Qui est ton Père? Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Mais pas dit de nous montrer, il dit, qui est-il son Père là? Qui est-il? Voilà, qui est celui? C'est comment il a dit, le Fils de l'homme est par le Fils. Le Père de Jésus là, c'est qui? Qui est le Père de Jésus? C'est qui? Toi dis le Père de Jésus, c'est Jésus lui-même. Ou bien c'est quelqu'un d'autre. Le Père de Jésus là, c'est qui? On m'appelle bébé Ben. Je ne vais pas vous laisser tant que vous ne répondez pas à la question. Le Père de Jésus là, c'est qui? Je ne vais pas vous laisser tant que vous ne répondez pas. Justement, pour moi, je suis pas venu débattre sur la divinité de Jésus. Non, on n'est pas en train de débattre sur la divinité. Je veux savoir le Père de Jésus, c'est qui? Dans la Bible. Vous voyez si vous faites sa volonté. Le Père de Jésus, c'est Jésus lui-même. Tu guéris sa semaine, va aller en enfer. Il y a des feux dedans. C'est dans ce passage, c'est de ces feux-là qui s'adressent. Mais non, c'est. Il a dit, allez-y, guéris la semaine, je le dis. Il a dit, allez-y, guéris la semaine. Son nom, mais. Allez-y, guéris la semaine. Allez-y, chasser les démons à la main, s'il vous plaît. Doucement, on n'est pas à l'église. C'est à l'église, là, quand c'est comme ça, plus le monde écoute et plus on ne répond pas. On est dans la prédication musulmane. En fait, ici, on n'est pas habitué à ça, en fait. On est habitué à s'écouter mutuellement, en fait. C'est comme vous avez dit, nous, on n'a pas dit c'est faux. Vous avez dit, ils ont guéri malade au nom de Jésus. Il y en a plein dans la Bible. Les gens ont guéri malade au nom de Jésus. Maintenant, le problème, c'est que, c'est comme vous avez dit, Jésus ne parle pas des musulmans. C'est ça. Ce qui est le plus important, il ne parle pas des musulmans dans Matthieu 7. Il parle des chrétiens et des faux chrétiens qui feront le miracle par son nom et il va les chasser au jour du jugement dernier. Et moi j'irai plus loin pour dire, ce n'est même pas seulement les faux qui font miracle en son nom. C'est la plupart, je n'ai pas dit tous les chrétiens même qui sont chassés. D'ailleurs, Jésus n'a pas employé le mot chrétien, mais. C'est ce que je veux dire. C'est voilà. Donc, allons-y. Donc, voilà. Donc, dans ce cas-là, Jésus lui-même n'était pas chrétien. Mm-hmm. Il n'a jamais entendu le mot chrétien. Nous savons d'où vient le mot chrétien selon la Bible. Donc, si les chrétiens se réclament de Jésus-Christ, alors que lui n'était pas chrétien, les miracles se font au nom de Jésus. Là. Donc, tu vas dire quoi? Celui qui avait semblant de ressusciter moi en Afrique du Sud, là, c'est au nom de Jésus. Celui qui appelle Dieu au téléphone à l'eau, oui, il y a une femme qui a des problèmes ici. Ah, Dieu merci, ton problème est guéri. Il fait au nom de Jésus aussi. C'est au nom de Jésus, il fait. Tout ce, vous m'en parlez de marmaille, non? Mais ceux que vous traitez de marmaille, là, eux aussi vous traitez de marmaille. Ils sont chrétiens, ils sont frères. Tout ce que nous on demande, c'est que vous compreniez c'est quoi l'islam, ça c'est un. Et c'est que le frère a posé la question là. Matthieu 7, 21 là. Il dit, c'est pas eux tous qui vont rentrer dans le paradis, sauf. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dans les cieux. C'est ça. Et nous savons très bien que Jésus s'adresse à qui est dans les cieux. Il s'adresse à Dieu. Il dit quoi dans Jean 20, 17? Ne me retiens pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il dit quoi? Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes disciples et dis-leur que je monte vers mon Père qui est aussi votre Père. Vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Comment Jésus va être le Père lui-même et puis il va dire, mon Dieu, mon Dieu. Non, j'ai pas fini. Ça, c'est des choses qu'on enseigne à l'église parce que là-bas, on ne peut pas répondre à un pasteur. L'homme de Dieu parle et puis tout le monde dit, amen, ça s'arrête là. Non, ici, c'est pas comme ça. La vérité, c'est que, il va intervenir tout à l'heure, Luc 10, 21. Sortez-moi Luc 10, 21. Vous allez voir, Jésus s'adresse à qui? Donc, Luc, moi, vous voyez qu'il y a beaucoup d'hommes, on sera obligé d'abréger avec vous un peu pour donner la latitude aux yeux aux autres de pouvoir s'exprimer. D'accord. On va finir ce verset. Avant d'ajouter, j'ai fini mon verset, vous allez ajouter ce que vous pouvez ajouter. Et puis on va passer à l'autre. Et on va prendre quelqu'un d'autre. Je suis prêt, sera là, hein? Demain, Inch'Allah, pour l'apothéose. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Jésus a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Ça veut dire dit. Et là, il est animé par le Saint-Esprit. Hein. Et puis il y a ce qu'il dit. Je te loue, Père. Continue. Seigneur du ciel et de la terre. Je sais que tu as caché. Jésus loue qui? Père. Qui est quoi? Le Père du ciel et de la terre. Et puis tu dis c'est Jésus lui-même. Ah!
Dengue. Allah va voir. Non. En même temps, vous faites passer pour un menteur, Jean 14, 24. Il dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Luc chapitre 6, verset 46. Jésus-Christ dit ceci. Ça, c'est ordinateur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et puis vous ne faites pas ce que je dis? Non. Pourquoi? Pourquoi vous m'appelez Seigneur, 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 et vous ne faites pas ce que je dis? Non, il a dit quoi? Il m'a envoyé son Dieu qui est votre Dieu. Tu dis, c'est lui-même qui est Dieu. Pourquoi vous m'appelez Seigneur et puis vous ne faites pas ce que je dis? Il dit, la parole que vous m'appelez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. J'ai été envoyé. Tu dis, non, c'est lui-même qui est l'envoyeur. Pourquoi vous ne faites pas ce que je dis? Il s'étonne. Donc Jésus, ça, Jésus, son Père, c'est Jésus lui-même. Donc vous pouvez continuer maintenant. On vous donne 2 minutes. On vous donne 2 minutes à cause du but. Comme vous m'avez donné 2 minutes, en 2 minutes, je ne peux pas vous montrer dans la Bible que c'est Jésus lui-même s'adressait à lui-même, puisque c'est écrit dans la Bible. Voilà. Jésus le démontre dans la Bible. Que c'est lui-même. La Bible le démontre. C'est Jésus lui-même, depuis les prophéties, jusqu'à ce qu'on arrive dans le Nouveau Testament, Jésus est le Père. Ça veut dire que c'est une personne. Maintenant, moi, c'est que la question pour laquelle je m'étais levé, je voudrais qu'on ne dévie pas sur la fête de Dieu. Dans la Bible, il y a plusieurs thèmes. Ce pourquoi je me suis levé tout à l'heure, c'est que Jésus a dit à ses disciples, allez chasser les démons en mon nom. Je voudrais que la foule le sache. Chasser les démons en mon nom. Guérissez les malades en mon nom. Tu fais ça, non? Oui. Jésus a dit à ses disciples de faire ça, non? Est-ce que c'était pour les envoyer en enfer? Non. Non. Donc, si Jésus m'a dit de faire quelque chose, que je le fais, est-ce que je suis dans la volonté du Père ou bien je ne suis pas dans la volonté du Père? Très bien. En fait, le problème, c'est que Jésus ne vous a rien dit avant. Pourquoi? Donc, ce qui est écrit dans la Bible, est-ce que ça vous concerne? Mais pourquoi ça ne vous concerne pas? Faut nous prouver que ça te concerne. Il parle aux enfants. Allez partout le monde. Allez, il a dit ça à qui? Allez là qui? Il a dit ça à ses disciples. Tes disciples de Jésus. Bon, d'accord, allons-y. Allons-y. Ça vient à la question. Est-ce que vous êtes disciple de Jésus? Allons-y, je vais répondre. Allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui l'ont cru. C'est le miracle qui vont les accompagner, pas ceux qui vont accompagner les miracles. Voilà. Donc moi, si j'ai cru, ces miracles vont m'accompagner. Oui, mais alors, c'est toi qui vas faire les miracles, c'est pas toi qui vas faire le miracle. Non. Puisque lui, il a dit aux disciples, allez partout le monde et faites de toutes les nations des disciples. J'ai dit, tout à l'heure, j'ai lu l'histoire de Paul. Paul ne faisait pas partie des disciples de Jésus. Mais il a chassé le nom de Jésus. Je demande, est-ce que vous, Paul dit avec la vue une révélation de Jésus, je vais savoir aussi, est-ce que vous aussi vous avez eu? Ça veut dire quoi? Je vais savoir, est-ce que vous avez eu une révélation de Jésus? Mais il vous pose une question, vous dites, est-ce que vous avez vu Jésus une fois qu'il vous a révélé quelque chose? Vous pensez que tous les chrétiens, Jésus ne leur a pas révélé quelque chose, tout ça va. Je vous demande à vous, est-ce que vous là? Si vous... je suis chrétien, c'est parce que Jésus s'est révélé à moi. Très bien, Jésus s'est révélé à vous, non? Oui. Comment? Parce que Paul a expliqué comment Jésus s'est révélé à vous. J'ai 2 minutes, donc je reviens tout à l'heure. Ok. Je vous assure. On est ça. Je voulais qu'on maintenant à toute conscience, je reconnaisse devant son auditoire que ce qu'il a dit là, quoi? C'est faux. J'ai dit quoi qui est faux? Comme Jésus, ceux qui vont prêcher au nom de Jésus vont avoir l'enfer. Non, c'est pas les musulmans. Ah bon, Jésus ne connaît pas les musulmans. Vous voyez dans la Bible, Jésus, en son temps, le mot chrétien n'existait pas. Jésus a dû faire des disciples. Non, est-ce que lui, Jésus a dû faire des disciples. Oui, tonton. Les disciples là, qu'ils ont appelé chrétien. Est-ce que Jésus était chrétien? Le mot chrétien a s'attribué aux disciples de Jésus. Est-ce que Jésus était chrétien? Jésus, le mot chrétien a s'attribué aux disciples de Jésus. Il a dit, Jésus ne peut pas être chrétien. Lui-même, il n'est pas son disciple. C'est pas le disciple qu'on appelle chrétien.
compassive. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Merci beaucoup, toi. Rendez-vous à 20h, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ah. On espère aussi, voilà, on fait cela pour montrer aussi que c'est la fraternité. Hein. On peut ne pas être d'accord, mais possible d'échanger et puis de se laisser avec un sourire comme vous l'avez vu tout à l'heure. Ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas avoir ce genre d'échange-là avec la paix, la tranquillité, le respect des autres, ne faites pas. Voilà. Ceux qui savent qu'ils ont trop la force, ils ont trop l'esprit coloré, ne vous lancez pas dans la dawa, parce que la dawa, c'est la patience. Et puis aussi, c'est accepter la divergence d'autrui. C'est ça qui fait la vie. Voilà. Allons-y. Prochaine question, s'il y en a, rapidement. Ok. Chrétiens, musulmans, on est tous des frères. Voilà, ça veut dire frères. Frères. On n'est pas obligé de s'entendre. Mais. Et depuis hier, le frère, on a échangé avec lui et le pasteur également. Dès qu'on se voit dans la rue, on se salue. C'est le dialogue interreligieux. Alors, il a dit appelez les gens au sanctuaire de votre Seigneur et discutez avec lui de la meilleure façon. Bonne arrivée, bon, merci beaucoup. Oui, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je remercie un peu les responsables de la cérémonie pour qu'ils nous sont là. Bon, si je veux voir, c'est une ONG qui a invité les guides religieux. Mais quand j'analyse un peu pourquoi nous sommes là, c'est que les musulmans étaient en campagne contre les chrétiens. Parce que tout à l'heure, ils étaient là. Tout ce qui a été dit. Quand il analyse un peu, c'est comme si les musulmans étaient en campagne contre les musulmans. Et, par rapport au message que vous avez pris, c'est que c'est Matthieu qui l'a dit. Mais Matthieu, il a été témoin de Jésus-Christ. Sinon que Jésus n'a pas écrit, c'est Matthieu qui a écrit pour lui. Sinon que c'est Jésus qui a parlé. Mais le message que vous avez dit là, le Matthieu 7, c'est Jésus qui a parlé. Sinon que c'est Matthieu qui a écrit. Sinon que Jésus lui-même, il n'a pas écrit. Donc Matthieu s'est trompé. A été un message, il a été un témoin de Dieu. D'accord. Il n'a qu'à relire, on va lire un peu pas à pas. Avant de relire, l'ONG Oumia qui nous a invités est une ONG qui s'occupe des orphelins, des démunis et tout ça. C'est vrai que nous sommes ici en tant que musulmans, mais ce n'est pas une campagne contre les chrétiens. Vous êtes catholique. Si de l'église, aime ton prochain comme toi. Aime ton prochain comme toi. Je voulais dire ceci, que les chrétiens sont mentionnés dans le Coran. Même la Vierge Marie, elle a un chapitre complet dans le Coran qui lui est dédié. Chose que beaucoup de musulmans et de chrétiens ignorent. La sourate 19, le titre c'est Marie, Myriam, la mère de Jésus. Il n'y a pas une feuille dans la Bible qui lui est dédiée. C'est pas une campagne de dénigrement contre les chrétiens. C'est un échange de dialogue islamo-chrétien et des juifs, des païens et toutes sortes de religions. Nous, on souhaite que beaucoup de personnes comprennent le message de l'islam et la position des musulmans par rapport à Jésus-Christ et sa mère. Jésus-Christ est mentionné près de 25 fois dans le Coran. Vous ne le saviez pas. Est-ce que vous savez que si un musulman insulte Jésus-Christ, il va en enfer. Tout en sachant que c'est un véritable prophète de l'éternel, si il ne répond pas, il va tout droit en enfer. Et nous avons dit ça à la jeunesse musulmane. Peut-être que vous n'étiez pas là. Parce que avant de parler dans la Bible et autres, nous appelons la jeunesse musulmane à comprendre que les chrétiens et les musulmans sont frères. Parce que Jésus n'a jamais eu peur de faire des débats avec des gens. Il a échangé, il a parlé devant l'empereur, il a parlé devant Ponce Pilate, devant Hérode. Mais rien ne s'est passé. Donc nous échangeons de la même manière que les chrétiens sont dans le Coran. C'est comme ça l'islam est dans la Bible également. Et les chrétiens se réclament de qui? D'Abraham. Nous le réclamons de qui? D'Abraham. Ismaël, Isaac. Les chrétiens se réclament plus d'Isaac. Nous le réclamons des deux. Nous n'avons pas de différence entre eux. Donc il n'y a aucune campagne de dénigrement contre les chrétiens. Nous sommes dans un pays laïque. Nous sommes libres de parler de l'islam, de parler de la Bible, parce que Jésus-Christ appartient à tout le monde. Et si nous ne disons pas cette vérité-là, la plupart de nos frères musulmans sont en train d'être évangélisés par les chrétiens pour aller adorer Jésus-Christ.
Et personne ne va accepter que nous aussi on croise les bras sans découvrir la vérité de la Bible, sans étaler la vérité de l'islam. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas dans une campagne de dénigrement. Bien au contraire, c'est une campagne de dénigrement. On va vous demander de sortir une seule phrase de dénigrement depuis que nous sommes là, vous n'allez pas trouver. Une seule phrase. Une seule, même une virgule de dénigrement, vous n'allez pas trouver. Et si c'était une campagne de dénigrement, le frère qui était avec nous hier n'allait pas revenir aujourd'hui. Ils vont venir ce soir pour que nous puissions échanger. Vous avez la vérité, nous avons la vérité. La vérité doit se savoir. Et ça va se savoir. Je vous remercie. Et vous avez parlé de Matthieu 7, 21. Le contexte dans lequel nous l'avons donné, nous avons dit, musulmans, soyez heureux, parce que Jésus dit qu'il va chasser ceux qui vont faire les miracles en son nom au jour du jugement dernier. Et ce n'est pas les musulmans qui seront chassés. Donc nous on dit Alhamdulillah, puisque ce n'est pas nous. Et l'homme de Dieu vient de reconnaître que c'est les chrétiens qui seront chassés. Puisque ce sont eux qui font miracles au nom de Jésus, même si c'est les faux pasteurs. C'est les chrétiens quand même. C'est ce qu'on veut dire en fait. Maintenant, si vous dites que ce n'est pas les chrétiens, bon, vous avez le verset, hein, on peut relire. Mais quand on parle de chrétien, on dit le petit Christ. D'accord. Maintenant, on dit qu'il y a des gens qui font le miracle. Mais le miracle, c'est Dieu même qui fait son miracle. Ce n'est un être humain, n'a aucun pouvoir pour faire un miracle. Hein? Et aujourd'hui, là, quand on parle des gens qui font le miracle, il y en a qui vont jusqu'à aller. Qui vont dire qu'on prenait pour aller chercher les forces terrestres pour dire que non, il fait les miracles. Alhamdulillah. D'accord, d'accord. Sinon, un homme de Dieu, si Dieu ne t'a pas choisi, Dieu ne t'a pas ouvert les yeux, tu n'as aucun pouvoir pour faire un miracle. Donc ceux qui font les miracles au nom de Jésus là, en fait, ils font au nom de qui? Jésus ou bien les faux? Comme on l'avait lu tout à l'heure, c'est ceux-là que Jésus va rejeter. Alhamdulillah. Alhamdulillah que c'est pas les musulmans. Dieu merci que c'est pas les musulmans ou. Maintenant si vous avez une question, encore si vous avez une question. Là au moins les musulmans sont sauvés. On attend votre question pour que nous puissions échanger de façon fraternelle. C'est le Coran qui nous le recommande. Échanger avec les gens du livre qui est de la meilleure façon. Il y a une sourate que je donne rapidement en attendant que vous preniez la parole. Sourate 29, 46. Allez, dit ne discutez. Ne discutez qu'avec les gens du livre. Quelle est de la meilleure façon? Sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons à ce qui a été descendu vers vous. La Torah, le psaume, l'évangile. Et nous croyons à ce qui a été descendu vers nous. Al-Furqan, c'est-à-dire le Coran. Tandis que votre Dieu et notre Dieu est le même. Et c'est à lui que nous nous soumettons. Mais nous, bichons bizarres, on arrive là dans le mois. Alors que les chrétiens prennent Jésus pour Dieu. Alors qu'Allah dit, notre Dieu et votre Dieu, c'est le même. Mais il faut qu'on en parle. On ne peut pas être d'accord que vous prenez. Si pendant que vous dites Jésus est Dieu, mais nous on va en enfer si on ne croit pas qu'il est Dieu. Ça veut dire qu'on est perdu, mais c'est à vous de nous évangéliser. Voilà. Vous montrer que vraiment, vous vous êtes trompé de la divinité. Voilà le vrai Dieu qui est Jésus. On appelle les imams. Ah, vous ne nous avez pas dit la vérité. Hein. Les imams. Voilà le frère qui a dit que voilà le véritable Dieu. Il a donné les preuves. Et ce sont ces preuves-là que nous on attend. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore gagné son chrétien. Donc vous avez non. En fait, c'est ça on attend, c'est ça en fait. Et que nous puissions aller dire à nos humains, nous sommes trompés. Voilà. Mais ils sont serrés, ils sont assis. Et après ça, joli là-bas. Salut les humains. Merci. Vous ne nous avez pas blagué. Merci. Donc j'aimerais citer un peu le Matthieu que vous avez dit. Ok, ok. Donc on va aller un peu pas à pas. Donc ils vont lire pour vous. Merci. Allons-y, Matthieu 7, 21, 22. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Merci. C'est Jésus-Christ qui a parlé. Sinon que Jésus-Christ lui-même n'a pas écrit. C'est Matthieu qui a écrit ce que Jésus-Christ a dit. Il a rapporté les dits de Jésus. Jésus a dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur là, ne vont pas entrer dans le royaume de mon Père. Seulement ceux qui vont faire la volonté de mon Père. On va. Aussi, l'as-tu? Oui. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Merci. Je me suis arrêté, quand il a parlé premièrement, il a dit que Jésus dit, ceux qui ne vont pas faire la volonté de mon Père, mais qui sont ceux-là?
Ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, on les reconnaît. C'est celui qui tue qui ne fait pas la volonté de Dieu. Celui qui... Le voleur, l'idolâtre, celui qui fait la mauvaise chose, qui fait le mal seulement. Mais il ne fait pas la volonté de Dieu. Et ceux qui me disent Seigneur, oh les féticheurs ne lui disent pas Seigneur. Ceux qui disent Seigneur, hein? Tout le monde dit Seigneur. Féticheur ne dit pas Seigneur Jésus. Non, non. Non, pas Seigneur Jésus. Non, dis pas Seigneur Jésus. Bouddhiste, t'as d'ailleurs un bouddhiste dit Seigneur Jésus, aide-moi. Il y a des gens qui le disent. Ils font pas. Il dit ceux. Il dit ceux qui me disent Seigneur. Donc, il a bien ciblé. Il n'est pas Gawao. Il sait de qui il parle. Il dit ceux qui me disent Seigneur. Il me dit Seigneur. Papa, il dit ceux qui me disent Seigneur. Donc il parle aux gens vraiment qui le considèrent comme un Seigneur. Il a dit. Tous ceux qui disent Seigneur, ce n'est pas tous les tous qui vont aller au paradis. C'est ça. Seulement ceux qui vont appliquer la loi de Dieu. Maintenant, qui dit Seigneur? Hein? Qui dit Seigneur? Musulmans comme à Jésus. À Jésus, Seigneur Jésus là. On peut dire Seigneur, Allah. Voilà. Notre Seigneur, c'est Allah. Me disent. Ceux qui appellent Jésus Seigneur, c'est qui? C'est sûr que les musulmans ne disent pas Seigneur à Jésus. À Jésus. On ne dit pas Seigneur à Jésus. On ne dit pas Seigneur, on dit Seigneur Allah. Notre Seigneur c'est Allah. Voilà. Ceux qui disent notre Seigneur, 46-13. C'est pas en français. Attends, il va lire. Le mot Allah n'est pas en français. Non, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Si l'on peut dire, ça peut aller même dans les détails là. Moi-même, il peut dire que le mot Seigneur, il peut dire en divin. Non, il veut dire quoi? On va pas dire Allah là, on parle de Dieu. Non, en fait, le problème c'est celui que. Il parle de Jésus. Il veut parler de Dieu aussi. Là, s'il veut parler de Allah. Jésus était le fils de Dieu. Envoyé par Dieu. Ah, mais Jésus, c'est Allah. Hein? Ah, c'est Jésus, c'est non, Allah. Non, non. Oh, c'est ça, va. 46-13, vas-y. Donc, pour tous ceux qui vont dire. Oh, Christian. Qui vont ressentir et faire le mal là. Ils ne vont pas aller au paradis. Quand tu sois musulman ou chrétien, tu restes en train de faire le mal jusqu'à ta vie. Jusqu'à ce que ta vie finisse là. Tu vas l'enfer. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, reprends. Ceux qui disent, voilà, c'est même ce que Matthieu 7 là. Ceux qui me disent Seigneur. Bon, ici là, il parle des chrétiens. Non, hein. Ici, reprends le verset. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Qui dit que ton Seigneur c'est Allah? Ce sont les musulmans. Nous tous. On se reconnaît. Voilà, nous. Ceux qui disent notre Seigneur c'est Allah. Donc, Jésus dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. On sait à qui il parle. Ici, on sait Allah. Allah s'adresse à qui? Continue le verset. Vas-y, frère. Qui ensuite se tienne sur le droit chemin? Qui ensuite? C'est pourquoi il dit à la jeunesse musulmane. En fait, musulman, Allah nous recommande, et ensuite, il faut te tenir sur le droit chemin. Quitte dans les maquis, quitte dans la boîte de nuit. Mariage à moto, renversé, café des gens gâtés, quitte dedans. Une de vidange sur le passant, c'est Marie, quitte dedans. Ensuite, qui se tient sur le droit chemin. Il y a beaucoup de comportements d'islam, il faut qu'on change. Allah dit, et ensuite, se tient sur le droit chemin. Ils seront quoi? Et non le chemin droit. Allez-y. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Et dit, rassurez-vous, n'ayez pas peur. Et ils ne seront point affligés. Vous ne serez point affligés. Vas-y. Ceux-là, ceux-là, ces personnes-là, sont les gens du paradis. Ils sont non seulement les gens du paradis, où ils demeureront éternellement. En récompense de ce qu'ils faisaient. Donc ceux qui me disent Seigneur, notre Seigneur c'est Allah, c'est les musulmans. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est pas eux tous qui vont entrer au paradis. Il s'agit de qui dit à Jésus Seigneur, Seigneur. Aujourd'hui, on ne trouve pas ça à Divo, c'est bizarre. Hein? Allons-y, on prend. Verset biblique là, les chrétiens aujourd'hui, ça ne les concerne pas. C'est ça vous la parole, allons-y. Ah. C'est Dieu. Comment il y a déjà expliqué. Mais nous, on n'a pas compris. Non. Moi, je veux savoir. Ça parle de qui? Chrétien ou musulman? Ici là. Mais. Quand on parle de Allah, on parle de Dieu. Non, on parle des versets de Matthieu 7 là-haut. Ça parle de qui? Ça parle des musulmans ou bien ça parle des chrétiens? Tiens. Ça parle de tout le monde. Ah. Oui, ça parle de tout le monde. Ok, on va voir si ça parle de tout le monde. Ça parle de tout le monde. D'accord. Quand Jésus dit celui qui croit en moi aura la vie éternelle, ça parle de qui? Celui qui croit en moi aura la vie. Sera baptisé, sera sauvé. Ça parle de qui? Ça parle de tout le monde. Quand Jésus dit Dieu m'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël, ça parle de qui?
parce que c'est en Israël que l'œuvre a commencé. Non, il dit, je l'ai dit, on ne parle pas des Israélites, c'est pourquoi il a parlé des Israélites. Mais Dieu, Jésus même a dit que quand on voit le ciel et la terre qui ne vont jamais passer, mon œuvre ne passera jamais. Et mon œuvre sera propagée dans le monde entier. Non, il n'a pas dit mon œuvre. Il n'a pas dit ça. Hein? L'œuvre de mon Père sera propagée dans le monde entier. Il n'a pas dit ça aussi. Et pourquoi? Voilà, parce que c'est dans Matthieu 5, verset 17 à 20. Il a dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Mm-hmm. Et il dit, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi entre ou un iota jusqu'à ce que tout soit accompli. Il n'a pas dit mon œuvre. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? Voilà. Donc, non, il n'a pas dit son œuvre. Il parle de Dieu. Il parle de la loi qu'il a donnée à Moïse. Quand on parle de l'œuvre de Dieu, on parle de l'accomplissement de la loi. D'accord, on a d'accord. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Est-ce que vous avez des questions sur la liste à nous poser? Ou bien, on peut vous poser une question. Non, l'invitation que vous a donnée. Ah, ok. Voilà, on est clair d'abord sur l'invitation. On vous l'a invité. Voilà. Vous venez vous dire voilà. Que. Est-ce que vous savez que le salut de l'humanité aujourd'hui passe forcément par l'islam selon la Bible et le Coran? Ça veut dire que vous devez devenir musulman, mais sans contrainte. Pour être sauvé, hein. Pas le paradis. Quoi. Et pourquoi? Parce que l'islam est biblique et l'islam, c'est la seule religion qui a été donnée par Dieu. Parce que vous avez reconnu tout à l'heure que le christianisme ne vient pas de Jésus. Le frère l'a dit. Raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que si vous nous avez appelé, c'est qu'on vient seulement pour écouter. C'est comme si les musulmans étaient en campagne avec les... C'est donc, pas ça. Vous avez le micro. Excusez, papa. Est-ce que vous voulez que moi, je sois sauvé? Voilà. C'est une question que je vous pose. Si. Très bien. Donc, toute opportunité et toute occasion est la bienvenue pour parler du salut, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, donc, puisque vous êtes en face de moi, je suis en face de vous, vous voulez me sauver, par exemple. Vous voulez que moi, je sois sauvé, par exemple. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire qui peut toucher mon cœur pour que je sois sauvé? L'opportunité, Dieu a facilité l'opportunité aujourd'hui. Vous avez la Bible comme outil, vous voilà. Utilisez la Bible. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de la Bible pour que moi je sois touché pour être sauvé? Tout à l'heure, quand vous avez donné le verset du Coran, vous avez parlé de la loi. Donc, quel verset? Alors, j'allais parler de la loi. Je dis, moi, tout de suite, moi, si vous me croyez dans la rue, mm-hmm. vous êtes un homme de Dieu. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire mm-hmm. tout de suite là pour que moi je sois sauvé? Oui. En comment? Bon, j'ai dit, je suis en face de vous comme un ignorant par exemple. Uh-huh. Vous voulez me guider. Uh-huh. Qu'est-ce que vous pouvez me dire tout de suite là, étant chrétien, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour que je sois sauvé? Ce qu'il y a de dire pour que tu sois sauvé. Voilà, c'est quoi? Ça dépend de parler de Dieu. Non mais je ne connais pas Dieu. Dieu dit je n'ai pas fait ce qui est mauvais. Ça là, même les féticheurs disent ça aussi. Mais quand tu parles du féticheur, lui il fait quoi et puis il dit que. Dieu dit de ne pas tuer. Donc ce qui veut dire, normalement vous devez être en mesure de me dire, oui, donne la vie à Jésus. Normalement vous êtes chrétien, non? Ou bien c'est pas vrai. Peut-être que je me trompe, vous n'êtes pas chrétien. Moi, je suis un chrétien. Voilà, donc normalement le chrétien. Même si les musulmans le disent. Quand vous... Non, les féticheurs le disent. Papa, laissez, je dis. Mm-hmm. Normalement qu'un chrétien croise un non-chrétien là, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui apporte comme bonne nouvelle pour du salut? Qu'est-ce qu'il lui apporte comme bonne nouvelle? Un chrétien, je croise alors. Quelqu'un dans la rue. Oui, puis il veut le sauver. Qu'est-ce qu'il lui donne comme bonne nouvelle? Mais en faisant quoi? En prêchant. Si il croise, par exemple, quelqu'un qui passe. Mm-hmm. Jean, il va, il a un ami qu'il veut guider, qui est dans le mauvais chemin. Quoi. Il veut le mener il veut que la personne devienne chrétien. Qu'est-ce qu'il va lui dire pour qu'il devienne chrétien? Mais maintenant, tu reviens. Quand tu vois l'homme faire ce qui n'est pas bon, tu lui dis. Dieu dit de ne pas faire ce qui est mauvais. Mais vous, en tant que chrétien, il ne doit pas donner sa vie à Jésus. En tant que chrétien, mais quand tu lui dis de ne pas faire ce qui est mauvais, là, tu lui dis de se donner à Dieu, à Jésus. Donc, en d'autres termes, lorsque vous croisez quelqu'un, vous lui dites donne ta vie à Jésus, donc, et tu seras sauvé. Mais celui qui se donne à Jésus, là. Vous ne voyez pas la contradiction. On a l'impression que vous voyez la contradiction quelque part. Je suis en train de vous dire clairement ce que vous faites d'habitude. D'habitude, après vous croisez les gens, vous leur dites donne ta vie à Jésus, non? Moi, je n'ai jamais croisé quelqu'un pour dire donne ta vie à Jésus. C'est tout là. Donc, on ne donne pas sa vie, on ne doit pas donner sa vie à Jésus. C'est Dieu qui est le Père. C'est lui qu'on doit adorer. Papa. Donc, quand tu dis de ce que Jésus a dit, Jésus dit de ne pas faire ce qui est
mauvais pour que tu sois au paradis. Donc, en d'autres termes, on ne doit pas donner sa vie à Jésus. On n'a pas besoin de donner sa vie à Jésus. Il suffit de faire du bien seulement et puis tu vas au paradis. Mais celui qui fait du bien, il a donné sa vie à Dieu, il a donné sa vie à Jésus. Ah bon, hein? Oui. Donc, nous les musulmans, on a donné notre mal. Donc, on doit donner sa vie à Jésus. Ça n'en nie pas. Donc, en d'autres termes. Lui, il a donné sa vie à Dieu, il a donné sa vie à Jésus. Donc, pour être sauvé, il faut donner sa vie à Dieu. Pas à Jésus. Puisque Jésus est l'envoyé de Dieu. Donc il a répondu Dieu. Il est l'envoyé de Dieu. Il a parlé de son père. Jésus n'a pas dit croyez en moi, mais croyez en Dieu. Ah, c'est ça, c'est parce que le Père. Ah, vous, bon, excusez-vous, donc vous ne croyez pas en Jésus, vous croyez en Dieu. On croit en Dieu. Ah, donc Jésus n'est pas Dieu. Jésus a été envoyé par Dieu comme Mahomet. Ah, donc Jésus n'est pas Dieu. Oui. Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Ah, donc il n'est pas Dieu. Attaque-lui. Donc les imams, vous avez raison, Jésus n'est pas Dieu, merci, vous n'avez pas blagué, merci. Donc Jésus n'est pas Dieu, voilà, donc comme Jésus n'est pas Dieu là, tu n'es pas d'accord. Bon, caméraman, il n'est pas d'accord. Mon tonton là n'est pas d'accord avec mon tonton là. Laissez, ils vont se parler. Voilà, tonton vient. Moi je vais les laisser, les deux n'ont qu'à causer ensemble. Tonton, tiens le micro. Voilà, tonton. Quand il n'était pas là, mon tonton a dit que Jésus n'est pas Dieu. Tonton a dit qu'il est chrétien. Moi, c'est que toi aussi, vous aussi, vous êtes chrétien. Bon, lui dit que Jésus n'est pas Dieu. Attends, tonton, il a fini, il a donné la nouvelle. Quand tu es parti là, tu n'étais pas là, tonton a dit Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, moi, c'est que toi, mon tonton, chéri, que tu es là, tu dis Jésus est Dieu. Bon, qu'est-ce que tu peux dire à mon tonton là? Non. Que Jésus est Dieu. Voilà, donc, causez. Tout à l'heure, vous avez posé la question. Attends, s'il vous plaît. Tout à l'heure, allons-y. S'il vous plaît. Allons-y. Le public t'apprécie beaucoup, hein. S'il vous plaît, allons-y, vous avez la parole. Voilà. Une dernière question et puis on va mettre ça à la cérémonie pour se retrouver dans la rue. Tout à l'heure, encore, on a posé la question. Si moi, en tant que chrétien, je rencontre un autre chrétien, qu'est-ce que je vais leur dire? Non, c'est pas à toi, on a posé la question. Je vais répondre à ma question. Non, mais pas ça. En attendant, lui dit Jésus n'est pas Dieu. C'est ça. Je dis, moi je vais répondre à la question. Non. Si je rencontre un autre chrétien. Si moi je rencontre un autre chrétien, je lui dirai de quoi le Seigneur Jésus. Merci. Il sera sauvé. Très bien. Maintenant lui dit. Car la Bible a dit. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son fils. Mais c'est ça le vrai là. Qui a donné son fils? Que quiconque croit en lui ne périsse pas. Ce point est la vie éternelle. À la vie éternelle. C'est lui qui a le fils à la vie. Voilà, donc lui dit. Donc regardez. Le problème que nous avons avec vous, mes frères musulmans. Excusez de vous interrompre. Là. C'est plus une question de question de musulman chrétien. Non. Lui dit Jésus n'est pas Dieu, il est le fils. Lui dit qu'il est Dieu. Donc on veut savoir de vous de qui a raison. C'est moi, je suis venu. Donc pourquoi je suis venu là, c'est ce que j'ai dit. Non, en fait, vous l'avez dit pour son respect. Vous n'allez pas le manquer de respect. Lui, il avait la parole. Oh, lui dit Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Ah, voilà. D'accord. Donc, on va terminer. On va vous laisser la parole. Vous avez une minute de conclusion pour que ce soit, on se sépare de façon très fraternelle. Désormais, vous allez nous voir dans la rue. Vous n'allez plus nous regarder comme avant parce que les musulmans chrétiens sont des frères. Vous pouvez vous retenir ça. On peut ne pas être d'accord, hein. Mais vous, on est des frères. Attends, il y a un autre tonton qui vient. Voilà. Tonton. Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Micro. Donnez-lui le deuxième micro. Tiens, attends, on va parler d'un micro là, on va attendre. Donnez le micro. Tenez. Vous dites quoi? Et nous dit. C'est pas grave, comme ça arrive. Tonton, on va parler fort dans le micro, on va savoir. Tonton, on va parler dans le micro, on va attendre. Non, je viens. C'est lui qui croit en Dieu, croit en Jésus. C'est ce que j'ai dit. Il y a une question en disant que, donc vous ne croyez pas en Jésus, mais vous croyez en Dieu. Oui. Vous croyez en Dieu. Mais j'ai dit que qui croit en Dieu, croit en Jésus. Mais la question qui a posé, hein? Parce que Jésus est un envoyé de Dieu. Jésus est le fils unique de Dieu. Jésus est le fils unique de Dieu. Jésus croit en Dieu. C'est ça, même. Mais, c'est ça. Mais attends, c'est pas ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais il a posé la question en disant que, voilà. Vous ne croyez pas en
Jésus, mais vous croyez en Dieu. Raison pour laquelle j'ai dit que celui qui croit en Dieu croit en Jésus. Merci beaucoup mon frère. On va prendre la dernière question puisqu'on sera là à 20h. C'est où à 20h? Dukako. À 20h à Dukako et demain à 16h au stade municipal. Ça c'est pour la beauté. Si vous venez nombreux, on va faire. Invitez vos amis, vos proches. Voilà, tout le monde, venez nombreux. Je ne fais que le répéter. On n'est pas obligé de les entendre. On peut vous dire salut. La place, vous avez. Venez vous asseoir ici, s'il vous plaît. Auprès merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous plaît de mon imam là? Voilà. Imam, il faut le surveiller. Quoi. Non, on va prendre le frère et puis on va terminer. Ouais, mon frère, question? Donnez le micro, Une annonce. Voilà, tu veux faire une annonce en jeu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être présents ici à cette cérémonie grandiose. Ici, nous saluons, après les remerciements, auprès du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercions la délégation de la DDR. Nous remercions aussi l'ONG Oumia qui a beaucoup fait pour l'organisation. C'est l'OMIA même qui a planifié cette manifestation pour que nos prédicateurs de la TDR viennent ici à Dio et puis nous enseigner beaucoup de choses que nous avons ignorées, Inch'Allah Ta'ala. Également, nous avons aussi le soutien du CODIS, du COSIMA, de l'AMSI, de la JMC. Nous avons nos frères de la CMC, de la EMC aussi. Nous avons le soutien aussi de la jeunesse du Libanais, le groupe Tazo Danon, CI, Inch'Allah Ta'ala. Nous avons aussi le plaisir de remercier tous nos honorateurs, ici de près ou de loin, Inch'Allah Ta'ala. Donc on est au annonce banan amena dabunya fiti ni fene di amma di lokana o kada nya mo fo bamana kan rele la o te dore ambal mam no fle ni su wala o re trompe kalu konana na o ka mo piche ni ani mo konando atagbe su matagbe su wala o re tron konobe mo piche ni ani mo konando o kala sorobe ko lu po sili konana na ko pla dina konana na mes hérés ou les amours ou la pasteur ou pas là, mon roi ou fait pas là. Donc, à me profiter quand il faut, maintenant mon roi ou les pays, au lieu de mon roi ou tchema, nala nana, nous nous qu'est au sababouillé, au la tobi ou bois, Philippe, on a qu'on nous place la meilleure Elena, au la mon roi ou biba ou là. À l'équipe, il va. Idée n'a pas passé à quel aslam malé, il t'a reconnaître au tilam ou là, avec son accord c'est l'idée. Voilà, donc on a un hakli tout ni rodna. Ole kama, en balmao, en yave ni, pangati mi fleni, pour me faire un loli doli ke, ni bena ke, misri bena ke, kalanyoro fene bena ke, ani shiro fene bena ke. Donc on va faire un plan mi ke, ale le veni. Nga ou an ga barake, ama bampere bre, donc on a me boule ma kwele ni, na ka balmao ma deme, djon ouye. Mon homme nous gagne la maille et puis voilà mon qui est pour là. Pour que vous soyez à Chiro, vous soyez à Domino, vous soyez à Fanny, vous soyez à habiller. Alhamdulillah, voilà, on va prendre le frère rapidement et puis on va faire une dernière conclusion, Inch'Allah. Mais avant,
Mais avant, j'ai vu une vidéo ce matin qui est adressée à la DDR. Il s'agit de Gédéon de la Tchétchouva. Parce que lui, il c'est pas un courageux. Il répond en parabole. Oh non, c'est son nom directement. Frère, tu es un plaisantin. Voilà, il ne s'agit pas de les polices vont crier derrière toi sans comprendre de quoi il s'agit. Lui, il dit oui, Jésus-Christ est le Seigneur. Oui, on dit viens, on fait débat, frère. Ça, tu passes en parabole. Personne ne sait pas. Figaillot, tous les jeudis, tu viens au Figaillot, tu es écarté. L'islam dit, toi, tu ne seras pas sauvé si tu n'es pas musulman. Tu dis Jésus-Christ est le Seigneur. Ouais, il y en a qui ont dit, Mohamed est mort, il est ceci, Jésus n'est pas mort. On va lire ta propre Bible, frère, pour te répondre. Ça, c'est juste une petite réponse à Gédéon de la Tchétchouva. Marcos cite ton nom, tu refuses de citer son nom. Nous, on cite ton nom pour dire, on s'adresse à toi. Viens d'un débat fraternel, terre à terre. Ceux qui sont en train de dire, oui, c'est Gédéon qui vous mange, nous voici. Nous sommes à Divo, on rentre à Abidjan lundi matin. Rendez-vous jeudi au Figaro, Gédéon de la Tchétchouva. Bible au Coran sur table. Débat ouvert, ça va se savoir. C'est l'ordinateur qui a parlé. Alhamdulillah. C'est le complexe islamique chargé de convertis. On a tellement, par la grâce d'Allah, fait de convertis. On a demandé comme ça, on voulait avoir un terrain pour construire un complexe chargé de convertis. Et nous-mêmes, on viendra pour enseigner la connaissance qu'Allah nous a donné des Bibles du Coran à la jeunesse qui veut l'apprendre parce que là, pour le nafs, c'est ça, écartement, tout le monde va mourir. On ne peut pas mourir avec la connaissance qu'Allah nous a donné. Il faut propager ça gratuitement. Donc, vous venez pour apprendre, c'est gratuit. Dans le centre, il y aura l'encadrement des convertis. Formation dans le domaine de l'interreligieux. Franco-arabe, Assis Khan, Mek Meitel, Mahmoud, tout cela, les amènerons dans le complexe là-bas. Et le monsieur a donné terrain sur Sabinila. Donc le reste à la communauté musulmane. Il y a les chrétiens, on leur donne terrain. C'est peut-être 10 mètres. Dans un an, ça va devenir 500 mètres carrés. Parce que les fidèles participent. Nous, si on demande à nos fidèles de participer pour la construction du complexe islamique chargé de convertir, peut-être une première en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas pour nous, c'est pour toute la communauté musulmane. Alhamdulillah, voilà qui est bien dit et très bien dit. Alors on va passer au frère rapidement pour boucler. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Bon, bonsoir à tout le monde ici. Moi, c'est Kwaku Kourassel. Enchanté, mon frère. Quand vous attendez les cas, c'est pas cas Ouattara, c'est pas cas Koutou, c'est cas Baoulé. Vous avez dit que c'est un chrétien. Bon, selon la question que vous avez posée au père premier, voilà, vous avez dit, est-ce que les chrétiens font la volonté de Dieu? Et il n'a pas su répondre. Il a défié au fait. La vérité est là. Est-ce que les chrétiens font la volonté de Dieu? Non. Moi, il dit ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils font la volonté de Jésus. Or, Jésus est l'envoyé de Dieu. Comme Mohamed est l'envoyé de Dieu. Ça. Les musulmans n'adorent pas Mohamed. Ils adorent directement Dieu. Tu as tout compris. Donc, tu n'es pas loin du royaume des cieux. Il suffit net de rentrer. Avec le cas vient égaré devant toi. Il suffit de mettre ton pied dedans seulement et puis tu es au paradis. C'est à toi de voir le reste. Tu n'es pas loin. Vas-y, mon frère. Bon, c'est pas pour frustrer les chrétiens, mais c'est pour dire la vérité aussi. C'est ça. Voilà. Donc la question qu'ils ont posée, est-ce que les musulmans, les chrétiens font la volonté de Dieu? Moi, je dis non, parce que c'est ce qui est dit là. Les chrétiens doivent faire la volonté de Dieu directement. Voilà. Mais Jésus est venu pour envoyer la parole de Dieu. Donc on ne doit pas dire Jésus est Seigneur. Jésus met seul qui est Seigneur. Il vous dit, la personne qui a dit que Seigneur, Seigneur, n'ira pas, ceux-là n'iront pas au paradis de l'Europe des cieux. Et vous êtes là, vous continuez à dire Seigneur, Seigneur à Jésus. Tu as vu? C'est pas bon, c'est pas bon. C'est ce qui est vrai dit. Allons-y. En même temps, ce que je veux dire, ce que tu dis, c'est vrai, ça peut faire mal, mais c'est la vérité. Jésus a dit, il aura plus de joie. Luc chapitre 15, verset 7. Il aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance.
Il a également dit dans Matthieu 7, verset 13 à 14, la voie qui mène au paradis, c'est la voie la plus difficile. Beaucoup de personnes ne l'empruntent pas. Mais celle qui mène à l'enfer, c'est là-bas tout le monde s'en va. Il a également dit dans Jean 15, 23, il dit, si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé, vous n'aurez pas péché. Puisque je suis venu, je vous ai parlé, vous avez entendu, vous n'avez pas cru, vous êtes déjà jugé. Donc moi, je te propose, avec cette vérité que tu as là, il te reste un pas seulement, c'est de devenir musulman. Mais sans contrainte, la vérité c'est là. La vérité là, ça est dans le cœur de chacun. Il sait que l'islam est vrai. Mais quand il regarde son entourage, s'il devient musulman, les gens vont dire, il n'est plus boire l'alcool, il n'est plus faire ceci, cela. Mais attends, quand le médecin te prescrit les médicaments là, c'est pour ton pied. Non, le musulman est mort. Il a quitté 10 églises de son papa pour devenir musulman, est-ce qu'il est mort? Non, au contraire, il est heureux pour être musulman et il est devenu prédicateur en train de sauver des âmes pour devenir à l'islam. L'islam est difficile, mais pas pour les endurants. Alors il a besoin des endurants et des patients. Tu peux devenir musulman tout de suite et puis tu vas avoir des épreuves après. Tu peux devenir musulman tout de suite, tes parents vont te détester. Pourquoi? C'est le paradis qui est le plus important. Non. Et il est très rare de voir l'église, ils vont te dire, si tu vas au paradis, voici comment tu as fait. Voilà, voilà. Non, tu veux te marier, viens Jésus. Tu veux voyager, viens Jésus. Tu veux avoir un compte bancaire, viens Jésus. Jésus avait comme le compte bancaire. Non, on veut aller au paradis, c'est pour ça qu'il faut devenir musulman. C'est tout. Hein. Jésus priait comme les musulmans. Claire. Matthieu 26, 39. Ordinateur. Il a été circoncis 8 jours après son naissance. Mm-hmm. Tous les musulmans sont circoncis. Mm-hmm. Luc chapitre 2, 21. Merci. Jésus m'a célébré à 5h du matin pour aller prier. T'as vu ça? Marc chapitre 1, verset 35. Mm-hmm. Tout ça, c'est public. Il te reste un pas. Il te reste un pas. C'est de devenir musulman. Moi, t'oblige pas. Le fait de rentrer même, c'est déjà courageux. De dire la vérité, c'est déjà courageux. Allah te regarde, les gens ils te voient. Si tu refuses, il n'y a pas de problème. Il a dit dans son Allah, t'as mis sa main comme ça. Notre devoir n'est que la transmission du message. Absolument. Il a transmis, la balle est dans ton camp. Il y a la main dans l'air comme ça. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Là où tu as été là. Après avoir découvert la vérité. Il te manque quoi? Après Jésus a été un envoyé. Comme Mohamed fut un envoyé, c'est la voie du paradis qui t'a ouvert. Sauf si toi-même tu as fermé. C'est tout. Tu as la parole. Merci, merci, le père. Bon, moi, il n'y a pas dit que non, il n'y a pas des musulmans parce que c'est un dit que bon, bon. Bon, moi, en vérité, c'est la vérité que je veux dire. Voilà, donc actuellement, ici, je c'est ce qu'il a dit aussi. Si il devait musulman tout à l'heure, on ne sait pas si elle connaît des obstacles demain. Donc, actuellement, où il dit là, il veut apprendre juste, genre, il connaît mieux. Maintenant, et puis, il est m'engagé. D'accord, maintenant, il sait, dans ma tête, il sait où il est m'engagé. Non, voilà. Parce que Dieu sait où il est m'engagé, c'est directement, il communique à Dieu. Claire. C'est avec lui qu'il est m'engagé. Très bien. Maintenant, c'est ce qu'il veut dire aussi. Là. Il veut dire au père, le pasteur, là, c'est pas pardonner aussi. Parce que, on va baptiser. Et c'est pas parce qu'il a rien, mais pardonner, fiancé. Ah, c'est la vérité qu'il veut dire. Donc ce qu'il veut, il veut dire là, ce qu'il veut, il veut dire aux chrétiens, il n'aura à savoir que Jésus dit, faut pas ils vont venir lui l'adorer. Ils vont adorer directement Dieu. Voilà. De toute façon, Allah est venu leur dire, n'aura pas adorer directement Dieu. C'est ça. De la même manière, Jésus dit qu'on aura adoré directement Dieu. C'est ça mon frère. Donc c'est ça. Donc mon frère, merci beaucoup pour ton intervention. Nous on prie Allah. Merci. On demande à Allah de te garder en vie longtemps pour que tu puisses goûter au paradis. Parce que regarde, nous, on fait ce qui est nécessaire. Tout à l'heure, on peut partir, quelque chose peut nous arriver. On n'est pas sûr, on ne sait pas ce que demain nous réserve. Personne ne peut lever le doigt pour dire c'est sûr que lui va voir demain. Voilà pourquoi on ne remet pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais nous, on ne t'oblige pas, mais on te demande seulement de d'y penser. D'y penser. Parce que le temps est court. On a la montre, mais on n'a pas le temps. Donc ça veut dire qu'en réalité, il y a quelqu'un qui détient notre soupe de vie. Le fait que tu sois rentré ici, c'est une chose, c'est un acte qui doit t'amener à comprendre que ce n'est pas un hasard. Dieu n'a rien fait pour le hasard. Donc à toi de saisir la balle au bon pour ne pas regretter. Donc tu as le temps. Comme tu dis que tu vas aller réfléchir, il n'y a pas de souci. Nous, on te l'accorde. Mais on te dit aussi, il ne faut pas oublier que le temps ne nous appartient pas. Voilà, donc qu'Allah te donne la bonne compréhension et qu'Allah fasse que tu décides vite pour venir dans la famille des musulmans et des habitants du paradis. Et on se retrouve tous dans le diable de Firdaus. Il voulait remercier l'ordinateur et puis le groupe. Ah, on te remercie aussi. On suit l'émission depuis notre chaîne.
Moi, mon vieux, mon grand frère, oui. Il avait au Kidon, on regarde un peu votre émission. Et je vous félicite. Merci. Parce que vous dites la vérité. Merci. Donc la question qu'il voulait savoir, qu'il voulait demander, si qu'est-ce que veut dire musulman? Allons-y. Ciao. Oui. Musulman, c'est toute personne qui reconnaît qu'il y a un Dieu s'appelle Allah et il marche selon ce que Allah lui demande de faire. C'est ça. Ouais. Mais si tu sors de là, tu n'es pas musulman. Ouais. Parce que tu peux dire, je suis musulman, mais en même temps, tu adores les fétiches. Mmh. Et tu vas à la mosquée. Mmh. Toi, tu es un prieur, tu n'es pas musulman. Mmh. Voilà. Donc, musulman, c'est celui qui se soumet à ce que Allah lui recommande. C'est vrai, on ne peut pas faire 100%. Mais Allah regarde, il connaît le contenu de cœur de chacun. Il connaît l'effort qu'on fait pour venir vers lui. Même si tu es à 51%, il peut accepter. Voilà. Il regarde ton effort, là. C'est ça qu'on appelle l'islam. C'est-à-dire, tout ça, là, c'est vaste. Mais en un mot, c'est celui qui se soumet à Allah. En nous, si c'est fait ce que Dieu veut. Ok, ok. Tu vois, non? Bien compris. Voilà, c'est un moment, quoi. Voilà, donc là, tu pries comme il veut. C'est comme le docteur, il te dit, bon, on te donne un médicament de prendre. Un docteur ne va jamais te dire, plaquette de médicaments, il y a 30 dedans. Faut toi aller. Ça t'a guéri. Non. Il va te donner 2 matins, 4 à midi à 13h, 4 à 16h, 3 à 18h30, 4 à 19h. Les 5 prières de l'islam. Donc, mon frère, c'est tout. Hein. Devenir musulman, il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas quelque chose de mauvais. Mais si tu sors d'ici et que tu n'es pas musulman, si tu es mort, là, ça va te demander. Hein. C'est pas bon, hein. Donc, dit musulman, un musulman c'est celui qui croit en Dieu Allah et puis il se conforme à ce qu'Allah dit au travers de son message. Voilà, en fait il croit ce qu'Allah il a dit, mais au travers de qui? De son messager, oui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu vois, non? Donc c'est à dire tu peux dire tu crois en Dieu, oui. Tu fais la volonté de Dieu tant, oui. Que tu ne suis pas ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu n'es pas encore musulman. Bonjour frère, bonne arrivée. Merci à vous, Oustaz Djané, Oustaz Ismaël Aga. Ouais, merci, Oustaz, autorité. Comme j'ai mon frère, lui, c'est mon frère de Divo. D'accord. Donc, moi, il vous suit beaucoup. Aujourd'hui, vraiment, il a suivi. Il dit, ah, je vous dis, c'est quel site? Il dit, ah, voici le site, je vais te montrer le site, voici ça, voici cela. Moi, je suis sûr, je suis musulman. Personne ne peut me tromper. Non. Ça, c'est fini, ça. Si tu dis, je suis le premier fils de Dieu, dans la... moi, je peux te montrer qu'il y a 10 plus. Premier fils de Dieu dans la vie. Autorité! C'est bien, je suis assuré, je suis assuré. Ça, faut pas les laisser. Je ne peux pas. Pourquoi les chrétiens délivrent toujours les chrétiens, les fidèles? Dieu dit, la Bible même dit d'abord, Jésus a chassé les démons pour enlever dans les hommes pour mettre dans les porcs. Mais tant que tu manges du porc, tu vas toujours chercher le démon de ton corps. Ça ne va jamais partir. Parce que le démon est toujours là. Dans la Bible, on dit personne n'a vu Dieu ni entendu sa voix. Mais toi, tu as vu Jésus, tu dis le Dieu, tu as entendu sa voix. Il y a un problème. Donc, mon ami est là. Il va se convertir aujourd'hui. On va le couper quand même. Il sait qu'il a intérêt actuellement. Inch'Allah. Parce que moi, je veux qu'il meure pour qu'on puisse rentrer au paradis ensemble. Wallahi. Comme mon ami. Quel bon. Il n'y a pas plus belle déclaration d'amour que ça. Si il est musulman, même si c'est converti aujourd'hui, moi je vais pleurer. Parce que c'est de quoi il s'agit. Mashallah. Il n'y a pas plus belle déclaration d'amour que ça. Donc on attend la réaction de notre frère, Inch'Allah. C'est un policier qui vient de parler. Hein. Voilà. Moi, mais il y a des frissons. La déclaration d'amour me donne des frissons. Comment c'est vous? Bonjour, mon frère. Bonjour, mon frère. Merci, bien. Il y a des terres à la vie, voilà tout ce que vous donnez. Merci. C'est la première fois que je vous suis comme ça. Ah ok, en live. En live. Voilà. Même sur les réseaux sociaux, les amis. Ah, c'est la première fois que je vous suis. Mais heureusement, il y a des vues. Je m'en contente. Ok. Voilà. Il n'y a pas de souci, on espère que. Il y a plus d'informations aussi. D'accord. Que vous. Oui, ça fait plaisir. Nous sommes là, c'est la TDR, nous sommes des musulmans prédicateurs, voilà, mais dans la rue. Voilà, il y a plusieurs prédications, certains, nos imams sont dans les mosquées, nous sommes dans la rue, le corps à corps, c'est encore mieux, mais nos imams sont comme des généraux en fait. Nous sommes comme des soldats sur le terrain, quand on a des convertis, après, on les envoie vers les imams, qui les enseignent toute la, voilà, l'islam. Ça, sans être long, il y a le papa qui demande dans la rue, quoi. Ok. Ok, donc on vous remercie beaucoup pour votre participation. Comme je le disais, moi j'ai l'habitude de dire comme ça. Récemment, il y a le président des 10 000 pasteurs en Côte d'Ivoire qui nous a donné raison. Il a dit dans la Bible, il y a le faux. Parce que ce sont des hommes qui ont écrit. Il a dit Makoso, vous voulez parler de Makoso? Il a dit également le.
je vois les gens qui viennent la question, est-ce que Jésus même est chrétien? En fait, le thème chrétien même n'existe pas. Le mot chrétien a été donné pour se moquer des disciples de Jésus. Voilà. Je t'explique à l'église en Antioche. Pour nous ridiculiser là, on dit voici les petits Christ là. Voyez ceux qui se comportent comme Jésus là, les petits Christ là. Voici comment pour se moquer de nous, on nous a donné le nom de chrétien. C'était pour nous insulter. Jésus n'était pas chrétien. Nous là, nous sommes les disciples de Jésus. Je suis d'accord avec vous que la Bible a des erreurs. Je suis d'accord avec vous que la Bible a des contradictions. Oui, je suis d'accord. Parce que ce sont des hommes qui l'ont écrit. Matthieu, c'est un homme. Marc, c'est un homme. Ils écrivent des faits qui se sont produits. Quand quelqu'un décrit un fait, il écrit en fonction de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Donc, il peut se tromper. Il peut dire des choses. Mais moi, j'ai été en Israël pour lire la version biblique hébraïque française qui n'a rien à voir avec la tradition grecque et latin qui nous a été donnée par les catholiques dans la Bible. Parce que j'ai vu des gens prendre la Bible, je crois en elle. Mais je suis aussi convaincu que ceux qui ont écrit la Bible ont commis des erreurs. Parce que je suis allé 18 fois en Israël pour étudier la véritable version de la Bible hébraïque et araméenne. Jésus ne parlait pas le latin ni le grec. On ne peut pas traduire une Bible de latin en français, de grec en français et nous la donner. C'est un mensonge. Prenons le cas de l'ablution que les musulmans font. Oui, ils se lavent la main, ils se lavent les pieds. Le chrétien doit le faire. Vous prenez le livre des Actes des Apôtres quand Paul est convoqué par Jacques. Il lui parle des bains de purification. Retournez dans le livre de Exode. Vous voyez que la bassine de l'ablution existe. Mais pourquoi les chrétiens se sont limités à cause de nos divisions? Parce que ce sont des hommes qui ont écrit. Et il a dit, Makoso, vous voulez parler de Makoso? Il a dit également, le christianisme, ça ne vient pas de Dieu. C'est une moquerie. C'est les gens qui nous ont vu passer, ils nous sont moqués de nous. Et on a pris ça pour faire religion. Je me suis assis, il dit, mais tu dis ça à des personnes. Et puis, ils ne courent pas pour devenir musulmans. Je me dis, il y a un problème. Parce que nous disons, c'est Dieu qui nous a appelés musulmans dans le Coran. Ce n'est pas Dieu qui a appelé les chrétiens chrétiens dans la Bible. Le nom du Coran est dans le Coran. Le nom de la Bible n'est pas dans la Bible. Notre lieu de pèlerinage est dans le Coran. Le lieu de pèlerinage du chrétien n'est pas dans la Bible. Notre manière de prier est biblique et elle est coranique également. Même le vendredi que nous prions, les grands jours de prière, il y a une sourate complète dans le Coran, sourate 62, intitulée le vendredi. C'est coranique. Notre prière est coranique. Notre immolation des béliers, tout ça c'est coranique. Même le tour autour de la Kaaba, c'est donc on est dans une religion donnée par l'Éternel Dieu qui ne porte pas le nom d'une créature de l'Éternel. Bouddha, bouddhiste, c'est un humain. Judas, judaïste, c'est un être humain. Christ, christianiste, c'est un être humain. L'islam, soumission. Il n'y a pas de nom. Donc le nom de l'islam n'est pas porté par une créature de l'Éternel. Et quand tu deviens musulman, regarde tous ceux qui sont ici, les 80% des musulmans qui sont là, on se procède de la même manière devant le même Dieu. Riche, pauvre, sale, propre, on est tous là. Même à la Mecque, on est égaux devant notre Seigneur. Sur 49 verset 6, ou bien 46, 9. Allah dit, nous vous avons, voilà, 49, 13. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Pour que vous vous en reconnaissiez, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Dieu le plus. Donc quand on va à la Mecque, si le président de la République de Côte d'Ivoire est à la Mecque là, il sera au même ligne que moi. Et le plus savant, c'est-à-dire à la mosquée, ceux qui s'arrêtent derrière l'imam là, c'est les sachants du Coran. Donc c'est pareil. Si nous étions à l'époque de Jésus, on allait prier comme Jésus. Parce qu'il priait comme les musulmans. Aujourd'hui, Mohammed sur la salam, Allah dit, il a envoyé Mohammed pour l'univers. Les recommandations de Mohammed sur la salam peuvent être difficiles pour nous. Mais c'est là la voie du salut pour l'humanité. Il ne te demande pas de croire à la mort de Jésus pour être sauvé. Parce que ceux qui croient à la mort de Jésus pour être sauvé, ils sont en train de s'égarer loin du chemin. Pourquoi? On ne peut pas croire à la mort de quelqu'un pour avoir le pardon de Dieu. C'est Dieu qui doit nous dire, tu as commis contre moi le péché, je te pardonne. Exode 30, verset 32, Exode 32, verset 30 à 35, Moïse dit à Dieu, le peuple d'Israël a péché contre toi, pardonne-les parce qu'ils ont fabriqué un veau en or. Il faut les pardonner, sinon efface mon nom de ton livre de vie. Dieu dit, non, je ne vais pas effacer toi ton nom, tu n'as rien fait contre moi. C'est le peuple d'Israël, là, je vais les châtier au jour de ma colère. Pour dire quoi? Deutéronome 24, 16. Le père ne porte pas le péché du fils, et le fils
fils ne porte pas le péché du père, chacun meurt pour ses péchés. On dit non, Jésus est mort pour nos péchés. C'est comme moi, je suis malade. Ma maman doit le comprimer pour que je sois guéri. C'est pas logique. Ça dit quoi? Mon enfant est malade, moi il va à l'hôpital, on me pique et puis il est guéri. Ça dit nous on pêche et puis c'est Jésus qui prend. Maintenant, si même ton couloir Jésus là, qui prend ce péché là? Jésus encore. Les gens sont en train de tuer les gens dans le monde, c'est Jésus qui prend. Jésus a dit, malheur à l'homme. Par qui? Le fils de l'homme est livré, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit même pas né. Au lieu de dire, béni par l'homme, par qui le fils de l'homme est livré, il vaudrait mieux pour lui qu'il soit nommé. Parce qu'en courant un moment, ils auront la vie éternelle. Mais il est maudit. Jean 19, 11. Celui qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Luc 23, verset 37. Il dit, Père, pardonne-le. Wallahi, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Au lieu de dire, Père, bénis-les. Parce qu'ils en me tuant, ils auront la vie éternelle. Non, Jésus maudit celui qui le livre à la croix pour dire, tuer Jésus est un acte satanique. Selon Jean 8, verset 40 à 44. Maintenant, là, le comble, pour arriver ce qu'on attend, dit le comble des combles, c'est que l'être humain, ils l'ont pris pour Dieu. C'est-à-dire, on a posé une question à un pasteur. Je lui ai dit, pasteur, question salée, c'est qu'on t'a jamais posé. Quand tu vas là, tu vas réfléchir jusqu'à quand tu auras mot de tête. Il dit comment? Il dit, est-ce que Marie, avant d'accoucher Jésus, elle adorait quel Dieu? Il dit, elle adorait Dieu. Il dit, bon, quand elle était enceinte là, elle adorait quel Dieu? Elle adorait Jésus ou bien elle adorait un autre Dieu? Et puis quand elle a accouché Jésus là, elle adorait qui? Elle adorait son fils, Jésus, ou bien elle adorait quelqu'un d'autre? C'est la petite question. Si quelqu'un vient te dire Jésus est Dieu, faut pas te fatiguer, non, non. Faut lui demander Marie adorait quel Dieu avant d'être enceinte. D'abord. Et puis quand elle était enceinte là, elle adorait quel Dieu? Après avoir accouché là, elle adorait qui? C'est pas fatigué, Marie adorait Jésus. Personne ne connaît Jésus que Marie. Personne. C'est son enfant, il a fait 9 mois dans son ventre. C'était son enfant. Quand il mangeait Plagali, lui aussi mangeait ça. Un musulman ne peut pas devenir bon musulman si tu ne crois pas en Jésus. Donc voilà pourquoi ils nous détestent, ils ont peur de nous. Parce qu'on vient dire, c'est comme si on venait mettre ça dans le temps. On dit, on va dire la vérité pour nous. On ne peut pas accepter d'adorer la créature au lieu d'adorer le créateur. C'est-à-dire, ils disent aujourd'hui là, ils disent que personne ne va aller au paradis s'il ne croit pas en Jésus. Cela veut dire qu'Abraham va en enfer. Parce qu'Abraham n'a pas vu Jésus. Claire. Moïse n'a pas vu Jésus. Et tous les musulmans également, ils vont dire, voilà, c'est parce qu'on n'a pas Jésus qui est mort pour nos péchés. En fait, il y a vous dit quelque chose. Hein. Tous les chrétiens, les bouddhistes, tous ceux qui sont sur cette terre-là, chrétiens, musulmans, nous, on m'en a on est, on fait preuve d'hypocrisie. Dans le cas du chrétien, là, il sait que si tu ne crois pas en Jésus, tu vas en enfer. Et puis, il mange grave avec toi. Dans le cas du musulman aussi, là, si tu ne dis pas, là, il a Mohammed Rasoul, là, tu vas en enfer. Donc, on sait, non, puis on dit, on est des amis. On doit se parler au moins pour au moins étaler la vérité. Là, celui qui veut, il prend. Celui qui ne veut pas, il laisse. Ils disent, non, taisez-vous. On ne s'était pas. On va parler. Évitez d'adorer la créature. Venez à l'adoration du Créateur. C'est en cela que résume le salut. Le premier ticket du salut, là, c'est d'adorer un seul Dieu unique. Ils sont venus demander à Jésus, Seigneur, que dois-je faire pour aller au paradis? Jésus dit, d'abord, pourquoi m'appelles-tu Seigneur? Il y a quelqu'un ou il y a personne? Il dit, Jésus lui dit, qu'est-ce que je fais pour éviter le royaume des cieux? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu vois, Jésus précise. C'est ordinateur, il n'est pas peur, il est là. C'est serein. Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Et puis tu regardes, tu connais les commandements, pratique-les. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne verras point, tu ne diras pas de faux témoignages. Le nom de ton père et ta mère. Le gars dit, bon, j'ai fait tout ça là. Tout ça. Il te manque encore une chose. Vends tout ce qu'il y a comme de bien et distribue-le aux pauvres. Viens et suis-moi et tu auras un trésor dans le royaume des cieux. Il n'a pas dit, viens, et quoi, ma mort. On demande à Jésus, je lui dis, le plus grand de tous les commandements, c'est quoi? Marc 12, 29, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Il n'y a pas plus grand commandement que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus grand commandement qui dépasse ça. Mais à la base, si tu n'adores pas un Dieu unique comme Jésus, là, tu es perdu. C'est la base, adorer un Dieu unique qui n'est pas Jésus. On demande à Jésus, c'est quand le monde va finir. Marc 16, pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni les fils, mais seul le Père. Seul le Père. Jésus qui passe, à sort de sa bouche, hein, c'est 32 dents bien joli là. Il dit, c'est le Père seul qui sait quand le monde va finir. On dit, non, c'est toi qui as créé le monde.
comment ce créateur du monde ne sait pas quand le monde va finir. Tout ça, la waka, c'était. Ils disent, ah, prenez votre Coran, on prend notre Bible. Qui vous a dit que c'est pour vous? C'est pour nous tous aujourd'hui, on va parler bien. Avant, vous venez de taper notre porte encore dans ta vie. Jésus t'aime, non? Comme aujourd'hui, il y a des gens pour dire, lui, il m'aime. Moi aussi, je l'aime. Moi aussi, il l'aime là. Ils disent, non, il ne faut pas en parler. On va parler. C'est tout ce qu'on leur demande. Venez, on va adorer le vrai Dieu. C'est tout. Donc, sur ce, voilà. Celui qui est intéressé, on a donné les musulmans tout à l'heure, Allah vous pardonnera tous vos péchés conformément à la sourate 20, verset 25, non, verset 25, verset 68 à 70. Allah dit, ceux qui se répandent vers lui, qui ne commettent point d'adultère, qui ne fait pas tous ces péchés-là, non seulement Allah va leur pardonner leurs péchés, et il convertit encore ses mauvaises actions en bonnes actions. Donc, pour devenir musulman, c'est d'attester qu'il y a un seul Dieu qui s'appelle Allah, Muhammad est son messager. À partir de 13 ans, on va la mosquée ensemble. Et tous tes péchés sont pardonnés, ton compte est remis à zéro. Et quand tu commets des péchés, tu demandes pardon à Allah, il te pardonne. Tu vas désobéir à Allah. Tu vas obéir à Allah. Ou bien désobéir à Allah pendant 100 ans. Si tu l'obéis, tu le désobéis, toi, il te pardonne. Quand tu le désobéis, tu es en train de commettre la fornication pendant 100 ans. Un matin, tu décides de te repentir de tout ça. Il est face. Allah, il est face. Mais Satan, de obéir à Satan, c'est quoi? En dehors de l'islam. Tu obéis à Satan. Parce que tout ce que tu fais ne vient pas de Dieu, vient de toi-même. Et quand tu obéis à Satan pendant 100 ans, et si tu désobéis une seule fois, il te détruit. En disant quoi? Si tu décides de devenir musulman tout à l'heure, les épreuves vont commencer à venir maintenant. Malade, il a besoin des endurants et des patients. Puisque tu seras encadré de tout musulman, donc tu es en garantie, il n'y a pas de problème. Alors même là, même pas de problème. Ça, si tu fais ça, c'est tout. Vas-y, frère. Et puis, tu comme Allah veut guider, si quelqu'un qui est Allah veut guider, là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous ouvre la poitrine à l'islam. Il ouvre ta poitrine à l'islam. Voilà comme Allah. S'il veut te guider, il ouvre ta poitrine à l'islam. Et quand tu viens, tu écoutes, beaucoup d'enfants là, hein, ils ne sont pas musulmans. Wallah, ils savent ce qu'on dit là, est vrai, mais ils ne sont pas prêts. Mais ça n'empêche que nous devons mettre la transition du message. Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas fils engendré de Dieu, il n'est pas mort pour pardonner le péché de qui que ce soit. C'est un envoyé de l'éternel Dieu envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Tu crois en ça, tu obéis à Allah, ton paradis est clair. C'est pas compliqué. C'est pas tu demandes à un chrétien, Jésus le roi. Bon, dans la Genèse, il était fils. Non. Il était père, après il est devenu sept. Il est Dieu. Il était un ange, après il est devenu homme. Il est Dieu. Pourquoi il priait Dieu? Est-ce que Dieu peut-il prier notre Dieu? Jésus se procède devant Dieu pour adorer Dieu. Toi, tu te procèdes pour adorer Jésus. Est-ce que je vais savoir, est-ce que je vais réitérer la question, je veux savoir, est-ce que vous avez envie d'être musulman? Très envie. D'accord. Donc pour être musulman, on ne te plonge pas dans l'eau pour te faire sortir. Tu répètes ce que je vais dire. Tu répètes, tu lèves ton doigt. C'est que tu lèves ton doigt. Tu reconnais que Dieu est l'unique. Et que Muhammad est son messager. On le dit en arabe et en français. C'est tout. Donc, ordinateur, je prends le plaisir de faire ça avec vous. Voilà. Et donc, puis, bon, comme c'est le corps habillé, c'est pour ça. Bon, Allah a tout fait chaud. On n'est pas en direct. On est en train de filmer. Même la séquence là, on va essayer de camoufler leur visage à cause de ce que vous savez. Voilà. Donc, on est en train de filmer. Donc, on souhaite que ceux qui filment là, ils essaient de. Voilà. Parce que ils font ils sont dans le corps. Ok. Donc essayez de ne pas filmer si vous. Hein, de grâce pour la protéger. Voilà, à deux corps là. Donc frère, vous allez lever l'index et je voulais demander à l'assistance également. On va l'accompagner ensemble. Si on peut lever l'index ensemble pour lui montrer que c'est sa famille qui est tout ça là. Voilà, ça va l'encourager. Il va répéter là calmement, vous allez répéter ensemble parce que le frère a dit un mot. Il faut qu'arriver au paradis là. Nous on va demander, mais le frère on a converti à Divo là où il est. Ah, ouais. Ah je vais suivre dans le rang là-bas. Hey. On y va. Ashhadu. Ça va le coup de moi. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. La ashhadu. La ashhadu. Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Rasulullah. Allah. Rasulullah. Je t'offre avec ma langue. Je t'offre avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Que Mohamed est le messager d'Allah. Que Mohamed est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Attends plus. Allah.
Bonjour, mon nom c'est Reginald. Quand je regarde autour de moi, je fais le constat que tout n'est que vanité. Dans la vie, se battre pour les choses n'en vaut pas la peine. Tes plus beaux vêtements peuvent être des torchons pour quelqu'un d'autre. La balance de ton compte en banque peut représenter le don d'une personne lors d'une soirée caritative. Ta petite amie, ton petit ami, ton fiancé, ta fiancée, ton mari, ta femme est l'ex de quelqu'un.